It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip. Pull up and I'm loading the clip. Ouais, yo, tranquille. Ouais, tranquille. Ça dit quoi? Yo, ça dit rien. Yo, vous trouvez pas, je suis en train de muer. Genre, je commence à avoir une voix d'où? Quelle voix, toi? Ça va, man? T'es. Oh. C'est le nouvel OG. Vas-y, pose pas de questions, écoute là ce qu'il a déjà. Ouais. T'as vu. Là, on m'a parlé de toi, on m'a dit des bails à gauche, à droite, comme quoi t'étais en train de grandir, tout ça, et t'as vu ce qui te laisse devant tout le monde, je te le dis. Eh, t'as été une petite merde, tu restes une petite merde. Donc, je sais pas, t'as voulu donner une image auprès de tes mecs de LCI. Eh, t'es son père, t'as vu pour commencer. Maintenant, toi, là, la petite merde qui se chie dessus de tout part, maintenant, toi, du genre, tu vas commencer à donner des plans, toi. Toi, tu vas donner des plafonds. Yo, je te jure, je fais de l'argent, man. J'ai grandi, yo. T'as vu, tu peux avoir grandi, je te connais, t'as vu, je connais ta vraie personne. Avec Draco, on a grandi avec Watt, on a bien vu t'étais quoi. T'es un petit peu qui pleure pour tout et pour rien, t'as vu. Moi, tu peux leur mentir tout ce que tu veux, moi je sais très bien ce que t'es. Maintenant vas-y, ils me disent que t'as grandi, je sais pas quoi, t'as vu, je demande qu'à voir. Mais moi sache-le, je connais ta vraie image, je sais très bien t'es qui. Mais yo, je te jure, man, je grandis, yo, je te jure, je suis hyper sérieux, yo. Je te jure, man. Plafond, vas-y. Mais yo, j'ai pas de plafond. Avec tes mains, arrête tes bails comme ça, je vais t'enculer bêtement, là, vas-y. Pardon. Yo, mais. C'est quoi ton plafond, là? Mais t'inquiète, man, moi, je vends plein de trucs et tout, j'ai plein de bails. Je te jure. Oh, Dash, c'est quoi le plafond? Demande-lui qu'est-ce qu'il y a. Le plafond d'hier. On a fait. Le plafond d'hier. Ce qu'on a préparé. SMG, Rollin, œuf, crâne, pardon. Ah, pour les Rollin. En gros, les Rollins, tu vois, genre ils veulent pas m'acheter de la gueudrou parce qu'ils savent que je suis un over et ils nous détestent. Et moi, je suis quand même un peu leur pote, tu vois. Du coup, moi, je me suis fait passer pour un chef de cartel et je leur vends de la drogue parce qu'ils veulent pas m'en acheter. Du coup, tous les jours, je leur vends de la drogue et tout. Et là, moi, je me suis dit, pour choper le crâne, et ben je leur fais une transac. Sauf que là, ils m'ont dit, ouais, on veut pas de drogue et tout. Du coup, je leur ai dit, bon, écoutez, moi, j'ai eu des échos de vous, comme quoi vous étiez chaud dans Brooklyn. On peut vous vendre des balles de SMG, parce que j'ai compris, ils ont faim de fusillade. Du coup, là, ce soir, on doit leur vendre des boîtes de SMG. Et genre, comme ça, on fait la transac, on les chope, et bam, on récupère le crâne. Ah, bonsoir. Yo, man. Et toi, et ton petit crâne, là, toi, ton petit crâne. Bon. Ta piste toute jaune, t'as même pas de sperme encore, toi tu réfléchis avec des plans comme ça, toi. Yo, je te jure, man, je suis hyper malin, yo, arrêtez de me sous-estimer, je suis le petit frère de Draco quand même, je suis le futur OG, man, tu sais très bien. Justement, j'ai grandi avec toi, je sais très bien ce que tu vaux, t'as vu, je sais très bien, t'as vu la première fois que t'as vu un gun, t'as pleuré, t'as vu. Non, t'as ta non, c'est pas vrai. Franchement, tu veux que j'appelle Draco tout de suite? Non, tu mens pas, mais dis pas devant tout le monde, yo, s'il te plaît. Mais yo, j'ai tué un man, toi, tu sais pas depuis. Eh, dites-lui, j'ai tué un man. Hein, Dash, j'ai tué un man. Issa, tu te souviens? Attends, tu me dis ça, tu bien chalé avant de le faire. Bah voilà, ça me choque même pas. Tes couilles, ils sont bien descendus sur terre avant de le faire, non? C'est fou, je sais pas, je vois tout le monde. Je vois tout le monde en train de l'encourager, je sais pas quoi. T'as vu, il y a la même mentalité que Issa. C'est une petite merde, cet enculé. Il y a la même mentalité que Issa avant que je vous baisse. Mais yo, Issa, pourquoi tu crois pas en moi? Comment ça, il tue un mec, vous êtes tous en train de lui dire, ouais, c'est bien. Eh, t'as tué un mec, on en a tué des dizaines, voire des centaines, t'as vu? Est-ce qu'on était là en train de dire, regardez, j'ai tué un gars? Non, t'as vu. C'est la vie qu'on a eue. Arrête de faire du blerni ici. Ça y est, capté. Mais man, je te jure, j'en tuerai d'autres si tu veux. Tu me ramènes un mec, vas-y. Ramène-moi un mec que tu dois kill. Yo, je prends un gun, je le kill. Je te jure, pour de vrai. Y'a la parole, y'a les actes. C'est pas genre au moment où tu passes à l'acte, tu commences à te pleurer ou je sais pas quoi, t'as vu. Mais je te jure, man, je vais. Je te jure, je suis en train de devenir grand. C'est juste que. Vas-y! Attendez, me dites pas qu'il est dans le gang, les gars. Me dites même pas que vous l'avez fait rentrer ou je sais pas quoi. Faites attention à vous, les gars, je vous le dis. Non, pas encore. Ah ouais, vraiment pas encore, t'as vu? Vraiment pas encore. Mais yo! Mais man, c'est mon rêve. Peut-être un jour, on verra. Mais Issa, tu sais très bien que je suis prêt, man. Tu sais qui je suis. Je suis pas prêt, je te l'ai toujours dit que t'étais pas prêt. On verra bien. Là, t'es pas prêt, ça se voit que t'es pas prêt. Je vais prendre un strap, yo, je vais vous montrer, je vais tuer tous les gangs. Tu me racontes là. Yo, tu veux me faire un bisou?
Moi aussi, en vrai, j'ai t'as l'air tout gentil. Hein. Yo, je suis pas gentil. Je suis pas gentil, yo. T'es malin, tout con. Tu veux qu'on se batte? Non, 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 pardon. Non. Je voulais pas dire ça. Aïe, je voulais pas dire ça. Je voulais pas dire ça. Attention à toi. Putain, mon dieu, Rag, yo. Non. Vous savez tout ce qu'il y a à faire. Là, t'as vu. On va parler un peu plus sérieusement. T'as eu ton plafond. Oui. Si t'es sûr qu'il fonctionne, t'as vu. Tu l'expliques à tout le monde. Comme ça, c'est le plus carré possible. On les baisse bien, ces petits fils de pute, t'as vu. Dès que c'est fait, là, on pourra discuter d'intégration de je sais pas quoi, t'as vu. Mais yo, t'inquiète, je vais réussir, je te jure. T'as vu. Je te jure, je vous ramène un crâne en diamant, je te jure. Vas-y, vas-y, on verra bien. Commence à les appeler et demande-leur s'ils ont l'oseille pour ça, déjà. T'inquiète, Issa. Parce qu'apparemment, hier, ils n'avaient pas l'oseille. Bien, mais ils vont l'avoir, l'oseille. Yo, Issa, pourquoi tu crois pas en moi? T'as vu l'équipe ou quoi? Parce que t'es une merde, Skittles. Mais man, t'es sérieux, yo, après tout ce qu'on a fait qu'ensemble. T'as chialé, tu tremblais. C'était mon premier kill, yo. Maintenant c'est bon, j'ai kill un man, j'ai plus peur. Ta cigarette dans le nez là. Vas-y, commence à les appeler les autres là. Je vais t'en mettre une. Vas-y, va les appeler. Yo, j'ai besoin de Dash, tu viens avec moi, Dash? Bah non, c'est ton plan. C'est toi qui as le numéro parce que moi j'ai pas de numéro. Oh là là, mais j'ai plus de numéro, j'ai effacé le. 555-212. Yo, j'ai carrément de mémoire de baiser. Je dis quoi? Viens, quoi. Viens, on va tous les deux. Allô, mon oseille, Jerry, espèce de culé, tu crois que j'ai oublié ou quoi? Je vais le récupérer, ce soir normalement. Et si je le récupère pas, le man, je le kill, c'est bon? T'as refait. Vas-y. T'inquiète, je te récupère le double même. Vas-y, dicte-moi ce que je dois dire là. Ok, tu les appelles, tu leur dis yo, ce soir on a notre ravitaillement. Non. Non, mais t'as compris, genre, tu fais en espagnol. Mais je l'ai fait prendre, le problème c'est que je l'ai appelé hier, là ça va être cramé parce que je l'ai appelé hier, je lui ai dit on a SMG à 4000. Et je sais plus, je lui ai dit quoi d'autre, et il m'a dit ok, bah peut-être ce soir ou demain on vous rappelle. T'as capté, ça veut dire là je vais le rappeler, mais ça va être cramé. Bah non, tu lui dis écoute, ce soir on a beaucoup de livraisons, on a besoin de s'organiser. Il nous reste quelques boîtes de SMG, il y a d'autres gens qui veulent nous les acheter, on vous les a proposés en premier. Ça, appelle-toi. Mais non. Et ça, elle a une grosse boîte, ça va être. Mais c'est cramé, yo. C'est toi, ils ont déjà ton numéro, t'inquiète. Là, tu dis ouais, ce soir on a beaucoup de livraisons, il y a d'autres gens qui veulent des boîtes de SMG. Donc c'est soit vous les prenez, soit vous nous dites que vous les prenez ce soir et on fait ça ce soir, soit bah on verra pour un prochain ravitaillement dans quelques semaines. Sinon, s'ils ont pas l'oseille, tu veux pas leur faire croire que t'es prêt à leur pousser les balles? Non, mais c'est sûr, ils ont l'oseille, c'est des menteurs, ils ont l'oseille, ils ont grave l'oseille. Attends, tu t'appelles comment déjà, j'ai oublié? Tu t'appelles Felipe. Felipe, cartel de quoi? Cartel de Cuba. Mais yo, moi je trouve j'ai mué. Moi c'est Acario. Genre pense à Zachary, je m'appelle Zachary, j'ai juste enlevé. J'ai enlevé juste le Z et je m'appelle Acario. Quoi? Acario. Tu te fais péter le nez ou quoi? Non, pourquoi? Pourquoi ma voix elle est bizarre? Quand t'as pété le nez, ouais bah oui. Ouais, mais c'est normal, man, je suis en train de muer, j'ai la voix enrouée, tu connais, parce qu'après je parle comme toi. Ouais, yo, c'est Skittle, ça dit quoi? Tranquille. Ouais, il s'arrête de faire la grosse voix avec moi, je vais te gifler. Arrête de faire le malin. T'as vu, ça s'est pas passé. Pardon, je suis désolé. Putain, man, par contre, t'es musclé de baiser, j'avais jamais vu. Il a des big boys. Putain, man, mais toi, tu... T'as une meuf? La prison. Comment tu dois la salir, la pauvre. Oh putain, j'y pense. Imagine la meuf de Issa. Sa grosse bite, là. C'est qui la meuf en face? Comme ses bras. J'ai jamais vu. C'est Rita, t'as sa prison. T'es un Nigérien. Rita? Ouais, Rita, tranquille. T'es pas né, mais... Yo, tu sors de Zompri? Ouais, j'entends. Ah ouais, t'étais à quel bâtiment, Zompri? Bâtiment B. Oh, même moi, j'étais là-bas, tu te souviens? Tu te souviens? Non. C'est comment? C'est quoi? Je crois que t'es pas en prison que toi. Hein. Non, mais je suis pas allé en prison. Ouais. Mais c'est pour faire carré. Tu peux dire au quartier... T'inquiète, un gangster, t'inquiète. Tu peux dire au quartier que j'étais dans le même bâtiment que toi et que j'ai tué un mec dans la prison. Au couteau. Non, jure, t'étais dans le même bâtiment. Bah ouais, tu te souviens. Bah ouais, Johnny. T'as tué le mec. Johnny, tu te souviens de Johnny? Bah si, frère, le mec des Safeside, je l'ai planté comme ça. Oh là là. Je lui ai arraché l'estomac et après j'ai fait de la corde à sauter avec son intestin grêle, tu te souviens? Eh, j'en ai entendu parler de fou, hein. Mais ouais, bah c'était moi. Eh ouais, c'était moi, incroyable. Yo, dinguerie. T'es un gangster. Mais t'es la meuf de Issa? Quoi? Oh, Issa, c'est ta meuf! Quoi? C'est ta meuf? Non, cousin. Pourquoi tu bois de l'absolute? C'est pas de l'absolute, je vais t'enculer, toi. Pardon, tu bois quoi? C'est quoi, c'est du... Arrête de mentir, c'est pas du whisky. On te connaît. Pourquoi je te mentirais à toi, Skittle? C'est du. Personne à qui j'ai envie de mentir. Putain, je connais plus le nom de cet alcool de meuf. Elle. Putain, la bouteille blanche là. Du Malibu. C'est du Malibu.
Pourquoi t'as du vernis, ça, sur les doigts? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, il m'a mis un coup de bouteille. Ah, c'est pas cadeau. Ah, c'est ma bouteille, tu me bois $50. Mais non, mais yo, mais pourquoi tu gardes ma bouteille? T'as pu me les ramener, enculé. Pardon, Issa, yo, je te ramènerai 7050 au lieu de 7000. Aïe, il m'a pété sa grecque. Trop dans le plan. T'as dit quoi? C'est comment le plan là? Tu les as appelés ou pas? Attends, je sais pas. Je sais pas, tu roules comme ça normal. Je plus. C'est comment il les a appelés ou pas? Non, tu. C'est qui ce man? C'est Birdie, ça le bâtard. Ça va, Birdie? Ouais, tranquille. C'est mort, Issa. Pourquoi? Ils t'ont dit quoi? À partir du moment où t'appelles un mec, t'as vu, pour lui vendre ton produit que tu l'as appelé hier. Mais il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Mais non, il a rien, il m'a dit comme hier. Tu peux leur dire que. Et moi, je lui ai dit, à partir de 23h, on m'appelle plus, je suis plus là pour l'avoir avec Akario. Et il m'a dit, ouais, mais ça va être chaud. Je lui ai dit, mais t'as pas 4000$? Mais yo, il se chie dessus. Faire, on a pas de truc à faire. Ok, alors sinon, j'ai un autre plan. Laissez-moi réfléchir. Le plan, il a échoué. Putain. Il a pas échoué, c'est juste que c'est trop de bol. Attends, laisse-moi réfléchir. Il y a plus les jeux sur la mise à jour. Ça bat les couilles déjà. C'est le problème, ça. Hein. J'ai une idée de baiser. Pardon. Ah ouais, pardon, j'ai des oreilles. Dans moi, hein, jamais. J'ai une idée de baiser. Mais alors, faut que vous me suiviez. Faut qu'il y ait des mecs assez fous pour me suivre. Hein. Ou alors, vous me prêtez des straps. C'est quoi, DJ? Ouvre ta bouche. Yo, on va s'habiller comme des huissiers de justice. On leur dit bonjour, on a entendu parler qu'il y avait des loyers impayés dans votre quartier et tout. Et du coup, tu sais, les huissiers, ils doivent aller faire une vérification à l'intérieur de ta maison pour estimer tout tes biens. Genre, regarder combien écoute la télé, combien écoute les meubles et tout. Et donc, on dit à un mec voilà, qui habite dans cette maison, on doit récupérer son... Enfin, on doit la visiter et tout. On va dans la maison avec le mec, et on sera 3-4, genre on est 4, on a nos straps sous la veste. Et bam, on braque les mecs qui sont avec nous. Genre, on dit à deux mecs max de venir avec nous. Et on braque les deux à l'intérieur de la maison. C'est quoi le truc encore plus fou? C'est quoi? Mais il faut vraiment avoir des couilles. Soit ça passe, soit ça casse. On va avoir des trous du cul, via le CPD. Je te fais escorter avec une voiture, juste une bagnole, t'as vu, devant leur quartier. Non, on s'habille vraiment bien en mode oui, bonjour. On parle vraiment comme des. T'as vu, comme ouais, des. Ouais, en mode c'est justice. Et les flics, ils restent devant, ils attendent, t'as vu. On va vérifier avec le mec en question. On le dépouille sa mère, t'as vu. Mais on a une chance sur. Sur 50, t'as vu. Vraiment quelqu'un qui est cassé, ça va passer. Bah, moi, c'est mort déjà. Mais avec d'autres gens, ouais, par exemple, Birdie, il a une petite tête mignonne. Rita, elle a une petite tête mignonne. Avec des gens qui ont une tête mignonne, bref. Et en gros, t'as vu, t'y vas. T'attrapes le mec, t'as vu, tu le baillonnes, tu l'attaches dans son appart au radiateur. C'est vrai qu'on a déjà fait, ouais, bah oui, on a déjà fait ce plan, en fait, je suis con. On se barre et les flics, on dit c'est bon et on part en légende. Sinon, t'as vu, il y a un truc autre, c'est plus simple. Ils savent que c'est nous les derniers, t'as vu. Si c'est vraiment les Rollins, ils ont dû récupérer le crâne au safe side. J'ai une idée de baiser. Ils vont vouloir nous traquer. J'ai une idée de fou. Ils vont vouloir nous traquer qu'on va les enculer, c'est tout. J'ai une idée de fou. Non. Juste, on sait se traquer, on se défend, t'as vu. Non, non, on crée un faux crâne. On essaye de trouver, je sais pas, genre, je vais... J'ai dit hier, je vais essayer de... Je sais pas, je vais déterrer, je vais au cimetière, je déterre un... Ouah, non, mais dinguerie de faire ça, par contre. Chaud, Non, j'ai pas. Une autre idée, moi. Non, au pire, j'essaye d'acheter un faux crâne. J'achète des faux diamants, on les colle dessus et tout, on fait tout un faux crâne. On laisse un mec de chez nous se faire choper. On fait exprès, tu vois, qu'il se fasse choper. Et au moment de la transac, on fait un échange. Et là, on les baise. J'ai un autre plan sinon plus simple, c'est pas avec les Rollins, c'est avec les Sèvres, vu qu'ils ont un crâne. Rien à voir avec les crânes, on a un faux œuf en diamant. Vous vous souvenez non, ou pas? Non, les Sèvres side, en fait, t'es pas au courant, Dash, mais. C'est sûr, 100% non plus. Soit c'est les Rollins, ouais, c'est lui, il est venu le dire. Soit c'est les Sèvres side, soit c'est les autres. Comment vous savez? C'est le gars qui est venu le dire. Allo? Dante. Ouais, yo, c'est qui? Quoi? Comment ça, c'est qui? C'est qui, yo? J'ai pas ton hume. Oh yo, t'es Carmen, t'es la meuf de la loc. Allô? Oh, grosse fort là. Oh, vous vous souvenez, c'était celle qui me spammait, Zabi. Allô? C'est qui, hein? T'as essayé de m'appeler, hein? Non, franchement, jamais vu. Si, si, Carmen. Carmen? Ça me dit rien, je connais pas. Pourquoi? Bah, ok, bah. Bye. Bye. Le mec il veut grave pas payer. Je fais un truc de trou de balle. Toi tu m'appelles. Attends, je passe un appel, man, 2 secondes. T'es con quoi? Regarde ce qu'il a écrit sur mon téléphone. Ah merde! Mais t'as essayé de m'appeler.
J'ai pas essayé de t'appeler. Ah ok, je sais pas, c'était hier. Pour moi, les sèves là, hier, ils étaient pas actifs du tout, cousin. Enfin, je les ai pas vus, à part la meuf là de Dash. Pour moi, c'est les Rollins, c'est tout. Ok, les man, laissez-moi réfléchir à un plan et je vous fais un plan de baiser, ok? Moi, j'ai un plan. C'est ce soir qu'on tape. Hein. J'ai un plan, les gars. La mère. Je vous jure, l'œuf, je vous jure, le crâne, on va le récupérer. Sache-le, oui. Sache-le, t'as vu. On soit clair. Là, t'es là, t'es rempli d'attention, tout ce que tu veux. Ça passe pas, t'as vu. Petit frère de Draco ou pas, t'as vu, c'est mon meilleur ami. On a grandi avec, t'as vu, c'est mon cousin. Bah ouais, je me souviens. Tu fais de la merde. Eh, bah les couilles. Quartier avant tout, je te canne ta tante. Je me souviens, même quand t'étais petit, genre, il volait toutes tes meufs. Je suis pas intéressé par les meufs, tu connais. Quoi? Je suis intéressé par quoi? Oni, c'est bon? Ah ouais, intéressé bon, que bon. Par la maille. Par les mecs. Waouh, ok, yo, tranquille, hein, c'est pas t'as grave. T'as vu? Ouais, dans deux secondes, je te pardon, saute dessus. Pardon, pardon, je m'excuse. Ok, mais, ok, alors attendez, je prépare un plan et je fais une dinguerie. Mais hier, en gros, je vous explique sort, aussi. En gros, yo, je vous l'ai jamais dit, mais tu vois, chez les Rollins, il y a un mec qui s'appelle Wayne et c'est mon cousin. Et hier, il m'a fait un rendez-vous. Et il m'a dit ouais je dois te présenter quelqu'un et tout, j'y suis allé et ils m'ont kidnappé les Rollins et ils m'ont dit envoie une pause à Makila et tout, enfin bref c'était un piège mais au tranquille cimetière. Ouais non pas au cimetière à l'université et tu du coup tu penses qu'ils pourraient le refaire? Non mais du coup moi ce que je peux faire c'est que je peux faire le Skittles naïf et appeler mon cousin et lui dire ouais man vas-y ce que tu m'as fait hier je te le pardonnerai pas et tout, il va essayer de renouer contact avec moi, j'essaye de faire un rendez-vous avec lui et je le chope. Ça, franchement, c'est la solution de facilité. Sinon, ouais, mais, si, ouais, mais si on chope. Moi, je vais choper la tête, moi. Moi, ça m'intéresse pas, les petits. Tu vois ouais, mais c'est pas après, un petit, hein. C'est un vraiment. Je pense c'est un bon truc pour choper la tête. Moi, hein. Regarde ça, ça va être simple. Ouais, moi, je pars du principe où là, t'as vu comme on est tous. Tout le monde va être en stress, t'as vu. Tout le monde va être en stress. Donc là, il va pas venir solo à ton rendez-vous. Tu sais, ouais, tu vas le braquer avec ton WAD ou avec, je sais pas, un bail, un petit truc. Ils vont venir à 17 sur WAD, t'es pas prêt. J'ai une idée. 17 Par contre, attendez, j'ai une idée de baiser. Sinon, je vais essayer de. je vais essayer de me renseigner là-bas pour voir s'il y a la daronne d'un des chefs qui est malade. Genre Chinese ou Colton, s'il y a la daronne de quelqu'un qui est malade. Ce qu'on fait, vous chopez des EMS, vous chopez une ambulance et des tenues d'EMS. Et on fait une visite à domicile chez sa daronne. Genre par exemple, Chinese, sa daronne, elle est malade. On va rendre visite à sa daronne en tant que EMS et on le chope. Mais attends, mais il y a une chance sur 5000 qu'elle soit malade, ça. Ouais, mais t'inquiète, non, ouais, mais je vais essayer de me renseigner. Mais c'est frère, tu connais, on vit tous dans la misère. C'est normalement, mieux, ça daronne n'est pas les huissiers. Je suis sûr, c'est mieux aussi. Ouais, mais. Par rapport aux amendes, etc. C'est sûr, ils ont des amendes à payer. T'as déjà vu des afros huissiers, toi? Ouais, c'est vrai. Mais non, mais pas des afros. Juste à gauche, elle la tienne déjà. Tu vas aller voir, tu vas faire. Est-ce que ta daronne est malade? Et juste après, il y a un truc à faire. Oh la latina, t'es sûr de toi, quoi. En fait, le problème, c'est que c'est vu et revu, genre le truc de l'huissier, tu vois, c'est ça que je me dis. T'es sûr de toi, pas d'âge par rapport à la latina derrière là. T'es sûr de quoi, tu vois. Elle t'a une petite soeur, on a 4 ans. C'est ta petite soeur? Non, qui elle? Yo, et Issa, il est en couple avec elle, yo, le manque de respect. C'est qui elle, putain? C'est Rita. Ok, mais laissez-moi trouver des plafonds. Je vais vous trouver un plan ce soir. On récupère le crâne, la vie de ma mère. Je viens de sortir de prison. Mais non, ce soir, moi, j'ai un plan. Personne m'écoute. Sa grand-mère, la pute, je vais tout casser. C'est quoi ton plan, Dash? Moi, je t'écoute. Ah, c'est mon plan, ça fait 2 semaines que je voulais le faire. À chaque fois, on me dit non. Regardez, on a un fouet en diamant. Je sais pas, il est où. C'est Draco qui l'a mis dans un appart. Makila, il sait où. On prend l'œuf en diamant, là. On le cale dans un appartement à Liberty. Nous, on s'aiguise tous, comme d'habitude, dans cartel cubain ou je sais pas quoi. On va voir les Rollins, là. On leur dit voilà, Big Plaf ce soir. On veut cet œuf là, mais il y aura le LCPD, code rouge, soyez vif. Ils rentrent dans la porte, on rentre dans la porte du derrière, on leur braque leur grand-mère, on les aligne, et c'est, et chacun mode. Attends, j'ai pas compris, comment ils vont arriver à la pause? Tu leur donnes la pause, tu leur dis voilà, j'ai cet appartement ici. Malheureusement, nous on en dépassons, on va prendre un jet privé là, on revient demain, pour me récupérer l'œuf à 70 millions. T'as vu, l'œuf il est connu qui en ville. Tu dis t'es un Hoover et tu on dis. On mandate les gangs. Mais t'as vu, soit on mandate les gangs. Parce en fait, que moi, tu fais 3-4 gangs et tu donnes des fausses poses aux autres gangs et tu donnes une la vraie. Moi, je peux grave missionner des gens, hein, je vous jure, il y a beaucoup de gangs, beaucoup de sets qui me font confiance. Je peux grave missionner des gens, leur dire les man, vous pouvez me récupérer ça, ils vont me le récupérer. En tant que Skittles ou en tant que Cubain? Problème que si c'est les Rollins, si c'est les Rollins qui ont ça actuellement, ils prendront jamais le risque, ils vont pas se mouiller. Là, ils vont se contenter que de ça, ils vont dire petit à petit. Moi, je suis du même avis. Toi, t'es un mec calme, Commence à arrêter la fumée, t'as vu, je vois. Mais je suis du même avis, man, ils prendront pas le risque, yo. Non, les Rollins là, ça va être très chaud de les avoir, là, ils en ont deux. Ils vont très sécuriser ça, ils vont bouger en équipe. Le gars qui a les crânes, ils vont le surprendre. Ça vaudra mon cul, c'est tout. Là, cousin, ça va être à l'ancienne. Attendez. Y a pas d'autre. Pour moi, c'est à l'ancienne. Yo, tu m'as pas dit vous étiez deux? Janice, il est parti, il avait un truc plus important à faire. C'est tu veux me quebra en fait, c'est ça?
C'est comment, poteau? Mais yo, tu fais que vouloir me quai branle là. Elle est où ta voiture? Vas-y, elle est où, poto, la voiture qui tourne autour? Qu'est-ce que tu me racontes? Quelle voiture qui tourne autour? Il y a une voiture qui tourne autour encore. Mais qu'est-ce que voiture qui tourne autour? Appelle. Y a Adé qui m'appelle. Qui? Ouais, Adé, qu'est-ce qu'il y a? Adé. Ouais, ouais. Vas-y, là, tout le monde m'appelle, yo. Dépêche, avec Skittle, ça, j'ai envie de parler avec lui. T'attends un cas? Oui, parking label, mais t'inquiète pas. T'inquiète, je suis en train de parler avec Skittles là. Je te rappelle dès que j'ai fini. Vas-y, Adé. Bref, c'est comment? Yo, man, tu m'as trahi, moi, je te pardonnerai jamais ça en fait, c'est tout. Poto, je t'ai pas trahi, poto, tu me. Si. T'inquiète pas, poto, tu me remercieras un jour. Je suis sûr que là, c'est encore une trahison. T'es un génie. Quelle trahison, poto? Je suis sûr que là, c'est encore une trahison. Ah, mais ouais, mais c'est une trahison, mais de moi. Bah, t'as trop les nerfs. T'as trop la rage. Bien vu, ouais, enfoiré, bien vu. Ah, tu me trahis, moi je te trahis, hein, tu crois que je suis une lobsa? Attends. Tu crois que je suis une lobsa, man? Fais-le rentrer dans la porte. Vas-y. Faites gaffe. C'est qui lui? Yo. Vous faites quoi? Vas-y, dégagez de là. Yo, récupérez Wayne derrière, récupérez-le. Pourquoi il court? Recule. Yo, mais vous êtes trop con. Mais vous l'avez laissé courir! Vas-y, levez vos mains! Et pourquoi vous laissez courir, yo? Levez vos mains, on va vous aller. Oh là là, ils sont trop cons! Ça va au poule, vas-y, recule, ça va au poule. Yo, attendez, on peut discuter, on peut ce qui est du. On peut ce qui est dit. T'as vu là? On peut ce qui est tu dis. Vas-y, bouge. Qu'est-ce qu'il y a? On peut discuter! Temporisez les mains! Vas-y, redégage là-bas. Tu vois, ce qui se passe. Vas-y, recule. Vas-y, repars là-bas. Vas-y, reviens. Aïe, vite. Aïe, ça tire. Montez. Monte. Vous avez maquillé là? Je l'ai. Montez. Attends, il manque Lidje. Bah les couilles, frère. Ok, restez ici. Il y a un hélico. Il m'appelle. Non, mais y'a plus de pneus. Allo. C'est bon, tant qu'on a maquillé, on s'emballe. Tu m'entends ou pas? T'es à l'appart. Reste à l'appart. Nous, on s'est barré. Ok, vas-y, c'est bon, parfait. Ok. Vas-y. Putain, y'a plus de pneus. Attendez, je vous cache et je vais aller chercher une autre voiture. Je suis le sauveur. Vas-y. Je suis le meilleur ref. Yo, t'étais en train de braquer, je t'ai pris les clés de ta Buffalo dans tes poches, man. Est-ce que tu te rends compte de la vivacité du bug? Le bug est vif. Vas-y, bougez pas, vous faites pas voir les mecs, j'arrive. Non, la vivacité du bug. Le bug est vif. Oh, y'a un vélo. Oh non, c'est à moi. Yo, oh non, j'ai trouvé un vélo. J'arrive les mecs, je vais chercher un truc. Attendez, je vais aller leur foutre les seums, je vais aller les trash au sol. Parce qu'en vrai, quand c'est des gangs qui font ça entre eux, c'est nul. Mais bon, ça bat les couilles. Oh, comment je suis vif par contre. T'as manqué de respect. Pas de simule. Non, par contre, ils sont trop cons d'avoir laissé Wayne courir. Hein. Ils auraient dû le garder. Hein. Ouah, par contre, frère, je suis vraiment vif. Hein. Chihuahua. Aïe. Putain, il est putain, moche lui, c'est il qui? Il a une bonnette sur le crâne. Yo, c'est une dinguerie. Ce filtre anti-pop humain là. Putain. Ok, alors faut que je trouve les man. Yo, les man. Ils vont la jouer au culot, la tête de chez eux va tourner solo. Tu vois. Yo, il est où Raiden la pute? Quoi? Oh, j'ai parlé fort. T'as dit quoi? Aïe. Je rigolais Raiden. Pardon. Non, pardon. Oh, mais je suis désolé, mais je voulais pas dire ça, mais j'ai un plan de fou. Descends, je t'ai dit, descends. Pardon. Viens, t'inquiète pas, je te frappe. Viens voir le montant en haut, c'est enculé. Ah, tiens, un couteau, ramenez un couteau. Non, s'il te plaît, je suis le seul qui. J'ai sauvé tout le monde, j'ai sauvé Makina, man. Vas-y, monte. Imagine s'ils avaient chopé Makina, ils auraient eu le truc. Vas-y, monte. Je les ai tous sauvés. Yo, Issa, tu serais. Est-ce que t'es fier de moi? Ils t'ont expliqué ce que j'ai fait? Monte à bord, là. T'es fier de moi, Issa, ou pas, ce que j'ai fait?
T'as vu que tu rigoles avec des G's ici? Non, pardon. Tu te fous de la gueule de certaines personnes. Ça peut passer. Mais tu te fous de la gueule de Logic qui est derrière toi, ça passera pas, ça, tu comprends pas. Pardon, pardon. Je vais t'ouvrir la cervelle en deux, tu comprends, petit con? Non, non, yo, s'il te plaît, Issa, c'est bon. Qui a un cut sur lui? Qui a un cut sur lui? Non, s'il te plaît, Issa, je t'en supplie. Je t'en supplie, personne n'a de cut en plus. S'il te plaît, Issa. Fais pas ça. Mais dis, on lui fait quoi, cet enculé? T'as vu, j'ai fracassé-le. Non, 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 fracassé-le, là. S'il vous plaît, faut que je vous parle avant. Aïe! Batte-lui, cet enculé. Batte-le, batte-le. Aïe, mais j'ai sauvé tous les G's. Mets-le des coups dans le crâne à cet enculé pour qu'il comprenne comment bien parler avec sa bouche. Enculé des gars là, je vais faire un petit. Attends, avant de le frapper. Yo, j'ai sauvé tout le monde. Je te jure. C'est pour ça qu'on appelle non en swing. T'as vu, on doit faire quoi? On doit te remercier. Non, mais c'est normal, mais yo, dites-leur ce que j'ai fait, les man, dites-leur. Assieds-toi. Mais avant tout, tu vas apprendre à bien parler avec ta bouche, tu comprends ou pas, petit con? Pardon, je suis désolé, Issa, je vais t'asseoir. C'est pas à moi que tu dois t'excuser. Pardon, OG. Va t'asseoir, je t'ai dit là. Pardon. Yo. C'est quoi ton bail? Tu tiens pas à ta vie, hein, tu tiens pas à ta vie, ce qui te je te l'ai déjà dit. Yo, mais je vous jure que j'ai un plan de baiser pour les choper qui va marcher à 100%. Au lieu de dire te jure, vas-y, pars en train de pas vos faits. Yo, mais direct fact. Tu leur as dit ce que j'ai fait ou pas, man? Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant que vous étiez en train de vous braquer, je t'ai pris les clés de la Buffalo dans la poche et je suis venu sauver Makila. Ça c'est bien. Eh ça, ouais, c'est bien. Man, t'as vu comment je t'ai vu? Je laisse partir qui? L'autre là qu'on avait là. Mais tu crois j'ai un gun moi vous? C'est en gros, regarde, je t'explique ce qui s'est passé, Ryder. Tiens, tu fais un truc. Pour t'expliquer, en gros. Vas-y, explique-moi. C'était Wayne, c'était mon cousin. Et merci Koda, merci mon frère. Et en gros, il m'a donné un rendez-vous en 1v1. Il m'a dit parole d'homme, je viens tout seul et tout. Et en gros, moi je lui ai donné rendez-vous devant mon appart. Dans mon appart, j'ai caché 4 man, donc Makila et son équipe. Et ils sont cachés à 4. Et dès que je lui envoyais un message, il sortait, il le braquait. Donc il vient, il me parle et tout. Je lui envoie un message, il sort, il le braque, ils l'ont en otage. Au moment où ils l'ont en otage, 2 secondes plus tard, il y a une voiture de 4 Rollins qui arrive, qui nous braque tous. Ok? Parce que là, tu me suis. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, ils avaient chopé Wayne. Et les 4, ils se mettent à braquer les Rollins. Du coup, ben Wayne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il s'est barré. Et du coup, il s'est barré, et du coup, bah, on avait plus d'otages, donc c'était 4 contre 4 avec des guns. Moi, ce que j'ai fait pendant qu'il se braquait, je leur ai dit, les man, on va discuter. Pendant que je disais ça, j'ai volé les clés de la Buffalo à lui, parce que j'avais vu que c'était lui qui conduisait. Je suis allé la chercher là où il l'avait caché, et je suis revenu. Et en fait, j'étais revenu pour les prendre tous dans la voiture, tu vois, qu'ils montent tous dans la voiture, et on se barre en roulant, tu vois. Sauf qu'en fait, bah, entre-temps, quand je suis parti chercher la voiture, ils se sont tirés dessus. Je suis arrivé, je les ai tous pris dans la voiture, ça a duré une demi-seconde. J'ai tous pris dans la voiture, genre Makila et eux deux. Juste Lil J, bah, il était parti se cacher dans l'appartement. Et du coup, bah, ils sont tous sauvés. Et j'ai sauvé Makila. Moi, j'ai une question. C'est tu les as fouillés ou pas? Mais c'est vrai, t'as récupéré. J'ai récupéré 2 cadavres de Crips. Ils avaient pas d'armes. Ils ont dû se les faire attraper. Juste, j'ai volé $2,500 sur eux. T'as vu, les sous, tout ça, c'est bien. T'as eu un bon réflexe. T'as pris des sous, ce que tu veux. Moi, t'as vu. Et ça, on s'en bat les couilles. Si on voulait le péter, c'est pas par rapport à ça. Ce que t'as vu, je sais pas, un truc luxueux type diamant, je sais pas quoi. Non, il y avait rien, j'ai cherché, t'inquiète. En gros, t'as vu, eux, il y avait une autre équipe à eux qui tournait autour. Et ils sont directement sortis, ils ont ramassé leur corps. En fait, sur le rendez-vous, ils devaient venir avec Chinese. Et Chinese, c'est leur OG. Sauf que, enfin, le second, je sais plus. Mais il est pas venu avec Chinese au final, je pense qu'il a senti la douille. Mais, par contre, j'ai un nouveau plan. Et lui, il va marcher à 100% normalement. Mais, je te jure, c'est pas moi. Pour la récup, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital, vous voulez que j'aille le récup en Porsche, comme ça je suis inchoppable. Là, je vais aller le récupérer, Vas-y, Issa qui arrive, te récup. Mais Issa, il sait pas conduire. Vas-y. Eh, je peux vous dire un secret sur Issa? Vas-y, dis-moi. Vous me promettez que vous ne le répétez pas? Ah, il est pas vif. Hier, il m'a emmené dans son entrepôt pour me donner de la mettre. Je lui ai volé $2,500 dans son entrepôt. Il a pas vu. Ah bon, donc je vole $2,500. C'est comme ça. Mais c'est bon, mais je vais lui rendre. C'est juste parce que, en fait, je voulais lui montrer qu'il était pas vif. Faut toujours surveiller ses entrepôts, yo. Ok, vas-y, explique-moi, c'est quoi ton plan là? Ok, mon plan, mais vous le dites à son père. Parce que ça, je l'ai dit à son père, à part Rondo et Draco. Vas-y, explique là. Vas-y, explique tout. En gros, ça fait un moment que je suis le dealer privé d'un des mecs les plus riches de Liberty City. Il s'appelle Monsieur Gary. Il a une villa sur Alderney. Il est hyper riche. Il a une Lamborghini et tout. Yo, c'est un baiser. Et tu vois, lui, en gros, parfois, il me donne des missions cheloues et tout. Parce que je crois que je lui vends trop de mecs. Il commence à devenir fou. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Mais lui, il donne des missions à des gens, tu vois. Et un jour, il m'a donné une mission, c'était d'aller chercher une voiture qu'il n'avait pas réussi à avoir aux enchères et de la braquer au mec qui avait réussi à l'acheter. Et moi, pour cette mission, moi, je me suis dit, t'as vu les Rollins, il y a mon cuss dedans, je vais les faire croquer, tu vois. Donc j'ai emmené les Rollins sur la mission.
Donc on a fait la mission ensemble, donc ils ont gagné de l'argent. Donc ils font confiance à Monsieur Gary. Et apparemment, ils traitent même avec Monsieur Gary. Genre, Monsieur Gary leur donne des missions. Du coup, moi, ce que je peux faire, c'est que vu que Monsieur Gary, il me fait archi confiance à moi, ce soir, je dis à Monsieur Gary, yo man, est-ce que tu peux donner une mission au Rollins? Et je l'ai fait venir dans sa villa. Je dis au Rollins, enfin, je dis à Monsieur Gary, ouais, dis-leur de venir dans ta villa. Moi, j'ai les clés de sa villa. On les attend tous dans le garage. Dès qu'ils rentrent, on les braque tous. T'es sûr que ça fonctionne? Ça va fonctionner à 100% Dash. Je te jure, Dash, ça va fonctionner à 100%. Et tant t'as vu, regarde, t'es sûr à 100%. Attends, t'as vu, t'es sûr à 100%. T'as vu, là, si t'es sûr de what, vas-y, go. En fait, le seul défaut dans ce plan, tu sais, c'est quoi? C'est quoi? C'est que je vais demander à Monsieur Gary. Sauf que Monsieur Gary, après, je vais lui promettre d'être sa pute pour toujours. Ça veut dire qu'il va me donner des missions, man. Je vais être obligé de les accepter. Et son problème, man, c'est que je lui donne tellement de mètres en ce moment, je lui vends tellement de cam, que frère, il me donne des missions de malade. Genre, il y a pas longtemps, il m'a demandé c'est des missions. C'est quoi les missions qu'il fait? C'est à la dernière fois, je devais aller braquer un hélicoptère qui tenait la voiture qu'il a pas réussi à acheter aux enchères. J'ai dû braquer l'hélicoptère, man, dans l'aéroport. Et là, tu sais, c'est quoi la mission? Bon, limite, ça va. Mais là, en fait, les missions, elles commencent à devenir creepy. Genre, là, la mission qu'il m'a demandé il y a 3 jours, c'était de trouver une meuf de mon quartier ou quoi, et genre que il nous invite au resto, moi et la meuf, lui il joue le papa, elle joue la maman et moi je joue l'enfant. Je te jure, j'ai trop peur. Il se branle, lui, ça se branle. C'est cause des trucs. Il veut jouer au papa et à la maman, il est baisé. Mais parce qu'en fait, il m'a dit, en gros, un jour, il m'a dit qu'il était riche et du coup, tous les gens autour de lui, ils étaient là par intérêt et que du coup, bah, il se retrouvait tout le temps seul et tout, et il en avait marre de la solitude et tout, qu'il plaisait à aucune femme et tout. Ah, mais il y a de l'argent à se faire ou pas? Mais il y a carrément de l'argent à se faire. Là, le restaurant, si on y va, yo, on se fait au moins 10K. Chacun. Tu voudras venir, Rita? Ah, ça veut dire oui. Ok. Bref, mais du coup, si on fait ce plan-là, Gary, je lui dis de me faire entièrement confiance et j'arriverai à trouver un argument pour que Gary, il se fasse pas cramer par les Rollins. Genre que Gary, je lui dirais que de faire Crary, je l'ai pris en otage et je l'ai obligé à faire ça. Comme ça, les Rollins, ils voudront me niquer moi et pas Monsieur Gary. Mais par contre, après... Gary, t'as vu, tu dis à Gary clairement, t'as vu, comme ça, il va bien comprendre que t'as ces missions nous intéressées. Qu'en gros, bah si ouais, il baise les Rollins, nous, derrière, on sera tous là. T'as vu, on sera tous là, tous mes gars seront là. Ouais, mais juste lui, il a peur d'être en danger, t'as vu, c'est tout. Il n'y aura pas de danger, t'as vu, on est sa sécurité. Il nous met bien, on le met bien, c'est tout. Juste, si je fais ça, man, je vais être sa pute à jamais. Ça veut dire que je vais devoir faire toutes ces missions et s'il y a des missions cheloues, je vais être obligé. Donc, moi je suis chaud de m'investir pour ça avec vous pour que vous récupérez le crâne. Mais yo, après, il faudra pas me frapper. Hein. Écoute bien. Moi, on est clair, si un jour il y a une mission trop bizarre, tu viens m'en parler, tu en parles à un des GCC, on s'en occupera de ton Gary, t'as vu? T'inquiète pas. Il y a grave de l'argent à se faire, c'est ça le truc, tu vois? T'inquiète pas, vas-y, fais le bail. Mais okay, fais ça bien. En plus, moi, j'ai les clés de sa villa, hein, Gary. Ça veut dire que il peut, ça se trouve, il peut ne même pas être au courant. Vous placez tous dans son garage et dès qu'il rentre dans le garage, ils sont tous braqués. Vous avez une relation chelou quand même. Il te passe les clés de sa villa, il te demande de faire papa maman avec lui. Bah, t'es sûr que t'as que parlé avec ou quoi? Ouais, je te jure, j'ai que parlé avec. Et c'est juste que, man, moi, je rentre dans son jeu parce que yo, frère, il est hyper riche. Dans son jeu ou... Mais je rentre dans son jeu, man, parce que quand je lui vends de la mette, je lui vends 100$ le pochon et il les prend. T'imagines, 100$ le pochon, ça se vend 70 dans la rue. C'est quoi, vas-y, essaye de l'appeler. Fais ça bien, je te fais confiance, Kittels, encore une fois. T'inquiète, man, ça va marcher. Moi, je te vois encore comme une fiotte, t'as vu, je te vois encore comme un petit... Je suis pas une fiotte, yo, mais arrête de dire ça. Je suis une moulin. Vas-y. Alors, fiston, j'ai bien cru que j'avais pu avoir de nouvelles. Ouais, ça qui arrive. Ça va, monsieur Gary, vous allez bien? Ça va, et toi? Ouais, tranquille. Vous vouliez me parler? Oui, j'avais besoin de toi. Tu te rappelles quand je t'avais parlé de mon dîner? J'ai entendu récemment parler d'un certain Lamar Derrick qui aurait été le héros de Liberty. Ouais, yo, je le connais. Tu sais quoi, j'aurais bien aimé que ce soit lui à la place. Que vous veniez tous les deux, qu'on dîne tous les trois. Comme mais si yo, il est à Liberty? Mes deux enfants. Mais j'ai cru comprendre que oui. Il était un rap contenders tout à l'heure à Middle Park. Faut croire qu'il est de retour. Yo, dinguerie, vas-y, bah, je vais essayer de le capter. Je vais essayer de l'appeler sur son hume. J'essaie de le trouver, t'inquiète. Ah bah c'est sûr, il sera au concours de ce cosplay là, j'en suis sûr. Mais par contre, monsieur Gary. Allô? Ah, t'as crash. Ok. La guerre au Congo. Ils étaient à la gauche là. Vas-y, va en face. Petite lobe ça de merde.
Encore en face, encore face 1. Et là tu fais Shogo. Et là tout droit. Yo vas-y, c'est trop là, il fait trop noir. Ah mais merde, je devais aller chercher un mec. Allô? Ouais Zachary, ça fait une heure et demie que je t'attends. Et calme. Tu m'attends encore? Ouais ouais, je t'attends encore, crois-le. Mais t'es à côté de moi. T'es à côté de moi en plus. Vas-y, lève les mains. Lève les mains, Lopsa. Tu me braques, fils de pute. Il est où, Chinese? Non mais non, tu vois bien que j'ai pas de pistolero. Je sais pas, mais toi et moi faut qu'on parle, viens parler. Tu veux qu'on parle? Vas-y les mains, je reviens après. Je vais parler avec cette pute. C'est qui elle? Oh non, pas cette pute. Comment ça pas cette pute? Tu veux que t'encules ou quoi? Mais c'est là. Comment tu parles avec ta bouche? Yo, tu vas carrément te mécale. Tu vas. C'est comment la Chinese? Non Chinese. Mais en fait, tu sais pourquoi je t'aime pas? Parce que la dernière fois, je t'ai giflé. Non, quoi? Tu m'as giflé? Oui, je t'ai mis des petites claques comme ça là. Mais yo, toi ou non, je vais te mettre un. Mais parce que un enchaînement de droite. Insulté... Parce que t'as insulté Cookie, frérot. C'est, ouais, c'est... mais Cookie, frère, elle fait 400 kilos, c'est pas une insulte, c'est la réalité. C'est pas tard de se moquer des grands, des gros, t'es grossophobe. Vrai. Non, je suis pas grossophobe, mais yo, la seule fois où il a voulu me présenter, à ton avis, yo. Je sais pas, moi. Bah, je me suis fait tirer dessus par un gang et j'espère pas que c'est le vôtre, sinon vous êtes mort. Bon, foiré, on fait comment maintenant? La seule fois que tu m'as présenté, elle, c'était une arnaque. Donc, qui me dit que là, c'est pas encore une arnaque? Mais poto. Qui me dit que là, y'a pas de Chinese, il est caché sous le pont. Imagine, il est vraiment caché. T'imagines? Imagine, il est vraiment caché, ce serait marrant. Ce serait marrant de baiser, mais c'est sûr qu'il est caché là. Attends, j'éclaire la non, zone. Non. Éclaire la zone. J'éclaire la zone. Reconnaissance, tu vas appeler ton drone. C'est bon. Tranquille, je suis. Au moins, ils savent où je suis. Ouais! Bon quoi, tu veux quoi, yo? Bah ouais. Comment, poteau? Bah en fait, t'as essayé de me trahir, donc moi j'ai essayé de te trahir pour me venger. Donc là maintenant, y'a un partout. Ouais. Balle au centre. On fait quoi? Bah yo, on fait une guéguerre entre nous deux ou on met les cartes à plat et on se dit les choses? Bah yo, moi je t'aime bien, mais le problème c'est que man. Attends, il m'appelle. Allo? Il commence pas à me faire le piquet de son téléphone. Ouais. Je vais t'arracher. Ouais, dash quoi? Oh là là, pourquoi tu dis mon blaze, fils de pute, va? Mais t'inquiète quoi? Oui? Pourquoi? Ta mère, fallait dire allô maman. Accroche, t'inquiète. Je te rappelle dans 30 secondes. Vas-y. Fils de pute. Vas-y, à tout à l'heure. Tu m'appelles quand y a un truc important à faire. Vas-y. Haha. Ouais. Bref. Tu disais. Je te disais, yo, la balle est au centre. Ça veut dire que là, t'as fait la tepu. Moi, je suis pas une tepu. Ça veut dire que tu m'as itra, je sais pas pourquoi. Mais moi je voulais pas te irtra, je t'aurais jamais trahi. Tu de m'as toute ma irtra vie. Aussi, t'es con quoi? Ouais, je t'ai trahi parce que tu m'as trahi. C'était pour te dire que j'étais pas une Est-ce que tu connais mes raisons? Est-ce que tu connais mes raisons? Non. Mes potos. T'as vu? Y'a aucune raison, même pour des milliards de dollars, je t'aurais jamais trahi. Moi je suis pas une Ferme ta gueule. Attends, parce que c'est ma daronne. Allo? Je vais péter un câble! Allo? J'ai entendu. Allo? Allo? Allo maman, ça va? Oui, t'es où, Wildy? Tu fais quoi? Là je suis dehors, je suis. Tu vois le terrain de mini golf vers la fête foraine? Je suis avec oui, deux Rollins. Terrain de mini golf vers la fête foraine, oui. Oui, je suis avec deux Rollins. N'oublie pas le lait quand tu rentres, hein? Hein? N'oublie pas le lait quand tu rentres, ok? Oui, pas de soucis. Oui, mais t'inquiète, mais vas-y, je peux rentrer à minuit et demi ce soir? Ou minuit? Non, baisse ta mère, 23h ce soir. 23? Non, yo, 23h, mais j'ai même pas le temps de rentrer à la maison, yo! Je m'en fous, nique ta mère. C'est vraiment pas sympa de m'insulter, maman. Vas-y, ben j'arrive mère, après. Là, j'ai mis de j'arrive après, maman. Vas-y. Bon. Vas-y, ferme ta gueule aussi, maman. J'ai raccroché. Elle va faire que me rappeler et je vais jamais répondre. Comment ça, tu parles à ta mère comme ça, toi? Tu que je te gifle ou quoi? Pardon. Ouais, mais yo, mes frères, elle me dit de rentrer à 23h, yo. Il est 22h50. Je rentre comment, moi? Skittles, on s'éloigne là, on s'éloigne. Mais pour te parler sérieusement, maintenant, moi, je vais dire les choses comme elles sont. T'as vu? Toi, t'es le petit frère de Draco. Mon pire ennemi, entre guillemets. Ouais. Et toi, t'es aussi mon cousin. T'es un membre de ma famille. Techniquement, on a presque le même sang. Ouais. Maintenant, faut que tu saches. Et moi, je suis dans un quartier qui est ennemi au tien. Et nos gars sont pas amis. Tu sais très bien, il y a une guerre qui se mène. Mais je sais, man, mais je m'en bats les couilles, moi. Peu importe tes raisons. Peu importe tes raisons. Moi, tu t'as pas braqué ton sang. Ferme ta gueule. Moi, on m'a fait chanter. Poto, tu crois que j'avais envie vraiment de te braquer? Est-ce que tu crois vraiment que j'avais envie? Poto, c'était sous pression. Ta mère Z. Ça veut dire, ça me disait, ouais, ce
Skittles. C'est plus important que le gang, c'est comment? Et je sais très bien, moi, toute ma vie, c'est le gang, poto. Et ça, faut pas le nier. Mais yo, la famille, c'est le gang, c'est pareil, man. Le gang, c'est la famille, et la famille, c'est le gang, yo. Parce que là, peu importe ce que tu me dis, yo. Moi, je t'aurais jamais trahi, je suis pas une lobsa. Le problème, c'est que pour eux, dans leur tête, si j'aurais pas fait ce que j'ai fait, j'aurais trahi le gang et je marcherais avec les Hoover. Et c'est très bien qu'au sein de la rue. Jamais, jamais. Une situation comme ça, poto, ça colle là, ça colle. Mais là, tu marches pas avec les Hoover, frère. Je t'ai jamais dit de travailler avec les Hoover. Je t'ai juste dit de pas me trahir. C'est très bien comment il réfléchit, Chinese. C'est très bien comment il réfléchit, poto. Yo, bah c'est Chinese, c'est une lobsa. Et là, je te rejoins sur ce point-là. Et pourquoi Chinese, tout à l'heure, hier soir, il m'a menacé. Il m'a dit, ouais, je vais te tuer et tout. Et après, je me suis réveillé à l'hôpital. C'est lui? J'en sais rien, poto. Il est là? Moi, j'étais à l'hôpital déjà. J'en sais rien s'il est là, j'ai pas parlé. Il est là, je vais le tuer. Et j'ai pas envie de lui parler. Pourquoi? Vous êtes en embrouille? Parce que poto. Attends, je vais lui demander si c'est lui. Attends, c'est il est où lui. Putain, frère, j'ai trop de numéros, yo. Mais yo, moi, je t'aurais jamais trahi, yo. Moi, je vais pas te trahir. Moi, je veux pas te trahir, yo. Je m'en bats les couilles. Prends pas comme une trahison. Si, j'ai pris ça comme une trahison, je le prendrai toujours comme une trahison et je te pardonnerai moi, jamais. Je te dis, prends pas comme une trahison. Pourquoi il répond pas là, Chinese la pute? Vas-y, lâche ce bigot là. Vas-y, réponds pas à cette pute là. Éteins ton bigot, mais en mode avion. Yo, t'es au courant de si il m'a. Ah, attends, il m'appelle. Pelep. Allo? Allo? Yo, l'obsa de merde de Chinese dans ma trou du cul. Hier, tu me menaces, tu m'appelles en FaceTime. Et après, je me fais tirer dessus. C'est qui a fait ça? C'est toi? C'est la street, ma gueule, je t'ai dit. Est-ce que c'est toi? Je vais passer le bonjour de la street, je vais te montrer c'est quoi. Yo, la street, tu vois. What the fuck? Ah. C'est moi qui ai envoyé des gars, ouais. C'est toi t'as envoyé des gars? Ouais. Mais yo, t'es la reine des putes? Ah non, ma gueule, moi je te montre c'est quoi la street, c'est toi. Attends. Deux secondes, je me fais contrôler par les flics, je te rappelle après. Me rappelle pas, c'est moi qui te rappelle parce que je suis en coup de fil. Nique ta mère. Tiens, viens donne-moi ton téléphone. Quoi, toi. Quoi, j'ai fait quoi? Tiens. Mais tiens, man. Non, pardon, désolé, j'étais au téléphone avec un mec. Yo, vas-y là, arrêtez de me quebra, yo. Moi j'ai rien fait, je suis un bon de ouf. Avance vers la mer, toi. Ferme ta mère, toi. Aïe, c'est bon, pardon. Attendez. Vas-y, avance vers la Buffalo. Vas-y. Ah, j'ai remis mon durag alors que t'as essayé de l'enlever, connard. Ah putain. Vas-y, monte dans le coffre. Dans une cave, t'as vu. Vous deux dans une cave, t'as vu. Je veux rien savoir. Yo, derrière, monte derrière, pourquoi vous la laissez la meuf? Viens, monte derrière. Ça sert à rien, je fasse quoi avec la meuf, cousin? Elle fait sa vie. Yo, t'es pas une Rollins? T'es une Rollins? Viens, mon dada, chop. Yo, pardon. C'est pas une Rollins, elle? Bah les couilles, cousin. Je touche pas aux meufs, moi. Bah les couilles. Attends, descendez. Mais non, mais venez, on la prend. Descends. C'est une oracle volée ou pas? Viens, meuf. Femme, viens. Femelle. C'est bon, je rigole, mais yo, vaut mieux détendre l'atmosphère dans ce genre de situation. Oh, je suis Keblo. Yo, ça va? Yo, ils t'ont pris ton tel et tout. Bon, bah, t'inquiète. Ouais. Mets-le dans la boîte à gants là, mets tout ce que t'as. Même si t'as un gun ou quoi, je sais pas, mets-le. J'ai rien du tout, frérot, je suis à poil. Parfait. Yo, mais tu le connais, Wayne? Je suis sa meuf. T'es sa meuf? Yo, mon cousin, il a une meuf. Ça veut dire que t'es ma cousine. T'es con, quoi. Et moi, je croyais du coup, il avait tout inventé. Non, c'est réel, frérot. Ouais, le sang de vos morts. Vraiment, qu'est-ce qu'il dit, mon cousin? Ça va, tranquille? Tranquille ou quoi? Ouais, au calme, hein. C'est à vous, la caravane. Ouais, c'est à moi, mon cousin. Putain, stylé, yo. T'es un gitan? C'est à mon camping, mon cousin. Ouais, je suis un gitan, mon cousin. Ah, c'est ton camping. Et t'habites où? Moi, j'habite à Alderney, mon cousin. Yo, lourd. Vas-y, hein. C'est quoi ton blaze? Moi, c'est Jarod, mon cousin. Vas-y, Jarod, t'es un bon. Bah, si t'as besoin d'un truc. C'est quoi ton cousin? C'est quoi ton blaze, mon cousin? C'est Skittles. Skittles, mon cousin? C'est Skittles, ouais. Si tu cherches du business, t'appelles Skittles, t'inquiète. Ah ouais, t'as un numéro, mon cousin? Mauvaise idée. 73-61, t'inquiète. Pourquoi c'est... une mauvaise idée, la gadjig? Non, mais c'est ma cousine, t'inquiète, je sais pas, elle veut quoi. Ouais, elle est la cousine. Grégouze. Ouais. On sort de boîte de nuit, là. Grégouze, mon cousin. Faut nous appeler quand il y a des boîtes de nuit. 73-61, vas-y, bah, envoyez-moi un message, je vous appelle quand il y a boîte de nuit. Vas-y, à plus. Ils t'ont pas entendu. Loseuse. C'est marrant, petit con. Mais attends, mais yo, mais non, mais moi je t'aime bien en vrai, c'était la meuf de Wayne. Parce qu'en vrai, objectivement, c'est mon cousin, t'as vu, donc je peux pas faire du mal à sa meuf. Mais je sais pas là, les mecs de. Donc,
suis pas là pour te faire du mal, frérot, hein. Tu sais, on avait pas le choix de, comment dire, enfin, il avait pas le choix de, comment dire. Mais pourquoi il avait pas le choix, yo? C'est quoi cette histoire? En fait, je t'explique, ça l'a fait chanter, en fait, tu vois. Ça l'a fait chanter, ils l'ont obligé, tu vois. Envoie ta pause, Dash. Je suis avec la meuf. Bon, vas-y. Vas-y. Mais toi, du coup, t'es une Rollins? Ouais. Ah ouais, yo. Honnêtement, je vais vous servir à rien parce que je sais rien de ce qui se passe, tu vois. Mais c'est quoi? Pourquoi il me parle de crâne, là? Pourquoi tout le monde parle de crâne? C'est quoi? Tu sais, je suis une Rollins, mais je suis limite une habitante, frérot. Ah, donc, t'es une petite peu. Ouais, ouais. Ah ouais, je vois le délire, yo. Ils te boycottent un peu. Non, 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 juste... c'est toujours les mêmes qui font les trucs. Et les autres, voilà, quoi. Ah ouais, je vois... Monsieur Cush Silver. Oh, ça m'a fait penser à Cube. Yo, mais... Je sais pas, moi, c'est les mains de mon gang. Ils veulent vraiment vous... Ah ouais. Tu sais, s'il y a des crânes, ça sera pas sur nous, hein. Pourquoi? On est des petits, nous, tu vois. Ouais, yo, je sais, t'inquiète, je suis au courant. Je sais pas, moi, c'est quoi cette histoire de crâne, yo? Je suis pas au grand coup. J'ai une idée de plan, là. Je sais pas, mon frère. Putain, yo, c'est chaud. C'est chaud de baiser, là. Ok, vas-y, on va aller alterner, ils m'ont dit. Yo, stylé, on va... c'est cool, alterner. Et toi, Yo, c'est carrément cool, alterner. Mais c'est toi... Partout, frérot. Toi, t'as pas de taf? T'es que dans la rue? Non. Exact. T'as pas one? J'ai pas one. Yo, moi, je te jure, j'ai one, hein, alors que j'étais dans la rue et j'ai 17 ans. Et j'ai grave one maintenant. Parce que yo, en fait, faut être malin, tu vois, faut être dans les bons placements. Tu captes? Ouais, je capte. Eh, je lag de fou, c'est horrible, je vais enlever les packs graphiques, les frères, je lag trop. Yo, mais t'as vu, moi à la base, je suis le cousin de Wayne, ça veut dire, moi les Rollins, je vous aimais bien. Mais yo, Chinese, Colton et tout, yo, c'est trop des lobes, ça. Ouais, yo, c'est trop des lobes, vois, ça. Wayne et moi, on n'y peut rien, tu vois. Bah ouais, mais yo, si au bout d'un moment ton chef il schmoute, yo, vous faites une alliance dans le gang entre plusieurs personnes et vous renversez le trône, hein. Ouais, mais tu sais qu'on va se foutre le gang à dos, parce qu'actuellement il y a que Wayne et moi, tu vois, qui... Ah ouais? Ils ont des choses. Ah ouais, je capte. Mais yo, vous êtes vraiment amoureux? Comment ça, vraiment amoureux? Genre en mode, tu m'as dit t'es sa meuf, mais yo, genre vraiment couple. je pose des questions grave cringe. Je sais pas, moi. Je te jure, tu mets mal à l'aise, frérot, arrête. Mais yo, mais il est trop moche. Yo, c'est Wayne quand même. Trouve pas, il sent les aromates un peu. Non, je trouve, il... Il n'y a pas le fusil qui compte dans la vie, mon frère. Ça, en plus, on m'a dit quoi sur Wayne? Vas-y, dis-moi. On m'a dit qu'il avait une mini bite. Genre vraiment. Little. Ok, ok. Yo, c'est réel, hein. Ok, ok. Bref, je sais pas, j'essaie de détendre l'atmosphère, mais yo, j'espère que vous allez pas. Attendu, tranquille, je m'en fous, c'est la J'espère que vous allez pas rire mou. Parce que yo, t'as vu. Chinese. Hier. Dis-moi. Et les GS9, ils avaient des otages. Il a dit yo, bah les couilles, fumez-les et tout. Imagine, ils vous abandonnent pareil. Ça pue sa mère un peu, tu vois. Ah ouais, chaud. Je sais pas, même pas ça essaie de négocier, ça laisse ses gars crever, c'est chaud, hein, honnêtement. Yo, franchement, nous on est dans les négociations, hein. Mais s'il essaye pas de négocier, je sais pas, hein. Moi, mes man, c'est pas des rigolos, hein. Ouais, j'imagine. Mais bon, on n'a pas décidé, nous, tu vois. Putain, mais yo, ils sont où? Ils roulent où, yo? Allô? Yo. T'es où? Ah, oh, j'ai crash depuis. J'ai crash, attendez. Attendez, j'en profite pour enlever le mode graphique ou pas? Attendez, je vais essayer.
Attends, j'en profite parce que la vie, je lag trop, frère. Hop. Ça va, les mecs? Wesh, Dehen, ça va, mon frère? Bon, les mecs, n'hésitez pas à en profiter pour vous sub. Ça fait plaisir. Le sub day, les mecs, il faut qu'on le tape chaque jour. Hein. Il faut qu'on le tape chaque jour si on veut tout baiser. On est là, tranquille. Franchement, ce soir, là, j'espère la soirée va commencer à bouger parce que là, c'est un peu calme hein, pour le moment. C'est un peu calme. Mais vraiment, GTA en ce moment, c'est une dinguerie comment on est les seuls à jouer, hein, j'ai l'impression. Hein. Il se passe rien, wesh. Il se passe rien du tout, genre. C'est trop une dinguerie, hein. C'est trop une dinguerie, hein. Il se passe absolument rien. Hop, attendez, faut choper l'IP. Hop. C'est bon, j'ai enlevé le mode graphique. J'espère juste que mon jeu il va mettre 8 ans à charger. Ping comme ASAP. Fall Guys STP. Les gars, je vous ai dit à quelle heure on allait sur Fall Guys, wesh. Je me souviens plus tant qu'il n'y a pas de nouveau badge. Mais c'est une dinguerie. C'est genre, vous posez les conditions. Genre, c'est. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Eh, je crois, les viewers ici, je vous ai rendu trop exigeant. Je vous ai rendu trop exigeant. Je suis le seul streamer à avoir une commu comme ça. Genre, vous êtes chiant, frère. Eh, je suis graphiste, moi. C'est moi, je fais les badges. Je suis quoi, moi? Ça arrive, les mecs. C'est juste qu'en fait, j'essaye de refaire toute la DA en même temps. Genre, j'essaye de faire en sorte que tout change en même temps. T'as vu qu'il y ait les badges, les alertes, les trucs, les machins, que tout change d'un coup. La casquette est incroyable. En plus, elle va vous... Elle va vous manquer quand vous l'aurez plus. Sans nous, tu es rien. Oui, bah oui. Ça fait 9 mois que tu nous dis le mois prochain. Après, ça fait 9 mois que je... Vous savez pas 9 mois que je dis ça. Juste parfois, quand vous en parlez, je vous dis ouais, faudrait que je le fasse et tout. Mais là, la DA, elle est véritablement en train de jouer. Vous voyez bien, là, il n'y a plus de DA, il n'y a plus rien. Yo. Yo, c'est carré de pisser, yo. Ça fait toujours plaisir. Bah ouais, tu se mets la route. Hein. Et ouais, yo, balèque, hein. Ok. Oh, la blague de Matrix, c'est jeu. Oh non, Yo, viens! Yo, tu t'étais endormi sur la banquette arrière, yo. T'es chelou. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'à le dernier, ça pue sa mère. Je fais... Ouais, c'est vrai que ça pue sa mère. Oh putain, c'est chiant de fou. Yo, mais c'est quoi? Aïe! C'est quoi ces escaliers de baiser, là? Ils sont mal conçus, t'as vu, mais... Ils sont mal conçus, hein. Comme ton crâne, il est mal conçu. Vas-y, montre. Yo, j'arrête pas de béton. À l'affût, sur tes appuis, là. Mais je suis sur mes appuis, man. Yo, vous êtes con, c'est vraiment une Rollins. Ça veut dire que si vous l'aviez laissée, elle serait allée pouquer à son gang. Alors que là, viens, on peut faire un vrai bail. J'ai une idée, Dash. Ils sont déjà au courant, t'inquiète. Attends. Quoi, ils sont déjà au courant? C'est qui le second? Après, Chinese. Après, en dessous. Calzone. C'est le mec avec le t-shirt noir et rose, là? Non. Ce fils de Utepe, c'est qui? Ferme ta gueule, Skittles. Yo, dis-moi, ferme ta gueule, je te tue. Fait, DJ. Connard. Je suis là, je te parle de choses sérieuses. Tu me fais ça. Man, c'est pas moi. C'est pas moi, je voulais pas. Ah, tu regrettes maintenant. Yo, ouais, je regrette, mais yo, c'est... Là, tu vois, tu me dis pas la vérité. Moi, je vous demande... Je fais le mec et tout, je vous demande des trucs. Vous voulez pas me dire la vérité. Tu veux pas me dire pourquoi t'as fait ça. Et ben alors, moi, je vais faire la même. Poto, j'étais en train de te parler, j'ai même pas eu le temps de finir. Yo, je sais très bien pourquoi tu fais ça. Tu veux me niquer. Ça fait 2 jours que tu me le dis pas. Pas parce que tu veux récupérer un Neukra ou je sais pas quoi, tu veux choper Makila. Je m'en bats les couilles de ça, c'est une histoire de gang, ça m'en bats. Tu t'en bats pas les couilles, tu m'as trahi pour ça et quand ils m'ont chopé, ils m'ont demandé d'envoyer une pause à Makila pour récupérer le crâne. Sale menteur. Moi, ils m'ont dit on a besoin de Skittles. Je leur ai dit non, ça pue sa mère. T'es un terrement, ils savent très bien pourquoi. Ils m'ont dit ah. Ouais, une Skittles, ok. Ta mère, Zed. C'est ce que je veux dire. Ouais, t'inquiète. J'ai pas envie de me mettre à dos ces gens-là. Donc maintenant, soit t'es con et tu réfléchis pas, soit tu réfléchis un minimum et t'auras fait un grand pas. Yo, moi je veux pas te trahir, je veux juste mettre bien les miens. Comme t'as voulu mettre bien les tiens.
Yo, mais t'as voulu me irtra, et ben tant pis. Attends, gardez-les deux secondes, faut que je parle à Dash. Garde-les, s'il te plaît. Ouais, si c'est eux, t'as vu, moi j'ai dans son sens. Attends, vous les... ils sont déjà au courant? Ouais, j'ai appelé Shiny. T'es là, con, enfin, je t'ai dit de rien faire. Non, mais en gros, pour le crâne, on peut rien faire comme ça. Pas, pour le crâne, on peut rien faire. Mais si, mais vous êtes con, frère, il y avait 15 000 trucs à Dante. Faire. J'ai appelé Dante, il veut pas, il m'a dit non. Il m'a dit les seules règles, parce qu'il n'y a pas de règles, mais les seules règles qu'il y a. Mais t'es con, écoute-moi. On aurait juste dû dire à Wayne d'appeler Chinese, de dire ouais, man, tu peux venir me chercher à l'hôpital, je sais pas, je viens de me blesser. Chinese serait venu le chercher devant l'hôpital, on l'aurait chopé. C'est on peut faire là. Ouais, il m'a relâché, vas-y, viens me chercher, je suis allé dernier. Mais crois-le, crois-le. Bah quoi ? Ils sont pas cons, man, ils vont venir avec une équipe de shooters. Et on a pas une équipe de shooters, nous ? Hein ? On a pas une équipe de shooters, nous ? Bah, on est 4 là. Vous êtes 4 armés, vous êtes. Bah ouais, mais on est que 3 armés, hein. S'ils viennent à 4, regarde, dans la merde. Hein. Dans tous les cas, Dante il m'a dit, comme ça tu sais, même pour l'avenir, t'as vu à l'avenir si on rechoppe des gens. Parce que la SM ils ont un crâne, c'est sûr, ils viennent me le dire au téléphone. SM ils ont un crâne, eux ils ont encore un crâne, c'est trop de balles, et nous on a un crâne. Faut qu'ils chopent, par exemple, s'ils veulent choper le crâne, ils doivent choper Makida, t'as vu Makida ou Raiden. S'ils me chopent moi, bah les couilles, t'as vu. Ils peuvent même me tuer, ça va changer le crâne, il sortira pas. Ouais, je sais. C'est que les gradés. Ça, je savais pas ça. Et ben. Alors attends, il y a. Ce qu'on peut faire avec eux, c'est les taffés par rapport au shoot d'hier, là, au shooting d'hier. Ça non, il y a deux solutions. Soit t'appelles Chinese et t'essayes de négocier. Tu lui dis ouais. C'est ce que je voulais faire. Donne-moi un truc et tout. Tu demandes un truc impossible. Comme ça, il va dire non. Bah vas-y, fume-les. Et du coup, toi, tu fais exprès de faire genre le mec tilté, tu vois. Tu fais le mec énervé. Tu dis vas-y, fils de pute, négocie. Je sais pas. Tu pètes un câble et tout. Tu fais comme en situation réelle où tu seras en train de t'énerver, tu vois. Et comme et au final, et ben genre on fait genre on les lâche. Donc sauf qu'on reste avec eux. On dit à Wayne de les appeler. Et eux, ils vont venir et on essaie de choper Chinese. Mais le truc c'est que mon numéro Chinese il l'a et c'est au nom de Felipe qui me connaît, c'est pas au nom de Dash. C'est-à-dire je vais l'appeler, ça va niquer ton truc. Ah, mais là tu l'as appelé avec ton numéro? Non, c'est DJ qui l'a appelé. Ah merde. DJ peut faire à la rigueur, mais. Si tu veux, moi je peux le faire. Hein. Et il a ton numéro, non? Ouais, mais c'est pas grave. Lui il m'a tiré dessus hier, j'ai appris que c'est lui qui m'a drive by hier. Bah Dieu, là j'ai deux de tes gars, enfin j'ai une meuf et un gars de chez toi. C'est comment? Vous avez tiré chez nous hier? C'est-à-dire, déjà, premier manque de respect, vous me dites que vous avez pas de crâne alors vous en avez un toujours. Deuxième manque de respect, maintenant c'est comment, t'as vu? On veut le crâne. Yo, mais après, genre vraiment, je vais devoir tenir tête à un chef de gang, yo, vas-y, je suis chaud. Ça bat les couilles, cousin. Ou alors, attends, y'a quoi d'autre comme plan qui peut marcher? Moi, j'ai dit le meilleur plan, c'est t'as vu, on l'appelle même pas. T'as vu, là, on attend, on laisse poireauter 20-30 minutes, on trouve une bonne position. On les attache, je sais pas. Mais non, mais justement, si on essaye pas de négocier, il va trouver ça suspect. Alors que là, si on essaie de négocier, ça va être comme d'habitude, tu vois, il va se dire, ouais, y'a rien. Mais sinon, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, lui, il a pas son tel déjà. Il va jamais l'appeler, il a pas son tel. Il y a que la meuf qui a son tel. L'autre, il l'a. Non, mais je lui ai enlevé en plus. Attends, non, mais sinon, il y a plein de solutions. On peut peut-être essayer de se faire passer pour Wayne. Genre, on prend sa tenue. On va. Je demande à un coiffeur de me faire en vif la coiffure. Et je sais pas, tu vois, on peut faire. Il arrive là. T'es fou. Au pire, on laisse Makila gérer. On a fait notre job, gros. Dis, ramène un strap avec lui. Attends, j'appelle Makila, je lui propose. Attends, il arrive, les gars, là. Gérer. Moi j'ai. Ça ouais, mais faut pas qu'il vienne ici, Makila, ça va être risqué de fou. Hein. Ouais, c'est. Ou alors, oh, j'ai une idée de baiser. On fait notre plan. On fait notre plan, Makila il me donne son strap. Et Makila il reste dans le coffre de la voiture. Mais c'est quoi le plan? Comme ça, même si ça part en fusillade et tout, ils sauront jamais qu'il est là. Le plan, c'est en gros là, on laisse pas attendre encore 10-15 minutes. On trouve une position, le dernier, une bonne position, t'as vu? On se cache. En gros, moi je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je vais faire comme si je négociais et tout. Je vais lui proposer des trucs impossibles et tout qu'il me donnera jamais. Comme ça, il va finir par me dire vas-y, bah fume-les et tout. Je vais dire ok, t'es sûr et tout. Et du coup, on va les relâcher. Enfin, on va faire comme si on les relâchait. Sauf qu'on va dire à Wayne d'appeler Chinese, de dire vas-y, c'est bon, ils nous ont relâchés, ils nous ont tabassés. Venez ici, je t'envoie la pause, venez nous chercher. Chinese il va venir et là, à ce moment-là, on les braque. En fait, le truc, c'est soit ils viennent à deux voitures avec 4 shooters plus 2 personnes et 2 places pour eux deux. Soit ils viennent avec une voiture avec 2 shooters seulement. Et le mieux c'est la deuxième. C'est ça le problème, c'est que là encore une fois ça va juste se contrebraquer. Alors que je me dis. Alors que ce que je me dis. Ce que je me dis c'est que si Arita elle prend la tenue de la meuf, moi je prends la tenue de Wayne, je mets la coupe de Wayne. En vrai on peut s'incruster dans leur quartier genre. Je me fais passer pour Wayne, genre je rentre chez eux, ou quoi, ou je sais pas, ou genre ils viennent nous chercher et tout. Tu vois, genre ils viennent nous chercher, je leur dis ouais emmenez-moi à l'hôpital et tout, je fais le mec qui a mal et tout. Je monte dans leur voiture. J'ai un strap, bam, et je le braque dans la turvoie. Un truc comme ça, genre une dinguerie comme ça, ce serait incroyable. Ça peut être lourd. Hein. C'est vrai que ça peut être lourd, mais je suis pas sûr que ça marche. Le problème, le meilleur plave, c'est de trouver un endroit, le dernier, où il y a qu'une entrée, t'as vu. Comme là. Allô ? Une entrée, il peut pas ressortir. Ouais, le Skittle. Ouais, Randy, dis-moi. Quoi, Mighty ? Ouais, au calme, hey. Au calme.
Je sais que t'aimes bien tous les trucs un peu superficiels, etc. Là, j'ai un véhicule à vendre, à te proposer. C'est quoi? Viens à mon quartier et je peux passer après parce que là, je suis occupé de baiser. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, à plus. Ah ouais, c'est une bonne idée, hein, ma deuxième option. Mais après, bon, c'est risqué de baiser, quoi. Ah, je sais pas trop quoi faire, hein. Parce qu'en soi, ils vont les demander. Mais... En soi, je te jure, si j'ai la même tenue et la même coupe, je fais genre le mec qui est dans le coma, il me faut rentrer dans la voiture, je vous jure, je le braque normal, hein. Tu peux même lui faire coiffer comme lui en vite fait. Et au pire, s'ils sont trois dans la voiture et que je suis tout seul, tu vois, et ben, genre, ils me ramènent à l'hôpital et dans tous les cas, je suis sauvé, tu vois. Et vous avez toujours les otages en plus. Ça peut marcher de ouf, hein. Ouais, vraiment. Vas-y, on va demander à Makila son avis de chef. En fait, le problème, c'est le spectacle, toi, t'as vu? T'as remarqué, j'aime trop faire des trucs spectaculaires. J'aime trop faire des trucs 300 EQ, nique ta mère. Je veux pas faire des trucs 300 EQ, je veux juste que ça marche parce que. Regarde. Bah écoute, regarde, dis-moi, t'en penses quoi, regarde. Ruelle, enfin, un endroit, quoi, pas une ruelle, un endroit par exemple comme là où on est venu, avec une entrée seulement, pas de sortie possible en voiture. Sinon. Ils viennent soit avec une voiture de shooter et une voiture normale, ils se débrouillent, et nous on se cache tous, c'est tout. Sinon, on fait ton plan. Et dans tous les cas, si ça marche pas, il y a monsieur Gary là qui m'a appelé et il va faire le truc qu'on a dit hier. Et ça va marcher à 100%. Je sais pas, mais en tout cas pour moi les deux, là, faut pas les lâcher comme ça. Là tu sais frère. Attends, bah j'attends pour moi Gary, les affaiblir, hein, même s'il faut les emmener dans leur tête. Ah, t'es pris en otage, connard. Ah, je te baisse. Yo, Makila le gangst. Ça va Raiden? Il est temps. Oh les man, y'a l'OG, y'a le big. Y'a le big OG là, il va parler en fac, y'a le big. Vas-y, parle en fac Raiden, parle en fac. Qui la meuf là? C'est qui déjà la meuf, c'est qui la suit là? Vas-y. Deux, c'est des Rollins, les gars. Yo, Raiden, tu parles lui, trop en fat, le big. Non, c'est un petit, c'est un moyen, lui. Comme ça, je parle trop fat. Le big R. Vas-y, dis-lui. Vas-y, il se passe quoi? C'est qui? Je sais pas, présente-toi, My G, t'es là, t'as pas de mots, c'est comme. Wouah, Raiden, il y a 7000 langues et t'as décidé de parler en réel. Mais ferme ta gueule en balle, non? Pardon, Raiden. C'est quoi? Pardon, le R. Je me présente. Pardon, le King. Vas-y, parle! Comment tu parles à l'OG? Je fais que le sucer, genre! Bref, t'as vu, regarde! C'est lui qui a dit on n'a plus de crâne, c'est ça? C'est ce qu'il dit, c'est comment? J'ai rien dit, mon poteau! C'est lequel qui a dit? C'est lequel qui a dit on n'a plus de crâne? J'en sais rien, moi! Eh, Makila, t'es dans le réel! Attendez, commencez à fermer tous vos gueules là, vous allez me rendre fou! Regarde, moi, on m'appelle, on me dit que tu parles de. Ouais, j'ai qu'un seul crâne, j'ai pas. Eh, hey, t'as vu? Là, parle en fact. Où est le crâne de ma gueule? Sinon, je vais m'énerver. T'es fait rire ou quoi, petit fils de pute? Arrête de rigoler, tu crois? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça te fait rire? Vas-y, ça te fait rire. Ça te fait rire. Yo, attends, c'est bon le big. C'est bon le king. Il rigole pas le king. C'était moi, je rigolais, yo. Vous êtes con le king. Pardon. Aïe! Putain, oh, tu m'as frappé en fact là. Regarde. Qu'est-ce qui te tient qu'on vient pour. Non, mais attends, Raiden et Makila, j'ai vraiment un truc hyper important à vous dire. Ouais, ferme ta gueule, t'as vu, là, je te parle. Ferme ta gueule, t'as vu. Ah, ok, pardon. Voilà. Commence pas, fais attention à ta gueule, t'as vu, je t'ai bien dit. Ok, aïe. Attention à toi. Pardon. Ouais, donc Chinese, il a dit qu'il en a pas. Ok. T'es en fait ton quartier, toi. Là, il change de version, le Eh, Wayne, t'as un crâne. Ouais, j'ai un crâne comme tout le monde, j'ai un crâne. Non, mais un crâne truc là, de mission. Ah, un crâne de mission? Oui. Non, j'en ai pas. Tu mens. Pourquoi? Ok, dis sur la vie de ton grand frère. Ah bah non, il est mort, mais dis sur la tombe de ton grand frère. Sur la vie de mon grand frère? Non, bah non, sur la tombe de ton grand frère que t'en as pas. Dis sur la tombe de mon grand frère je n'ai pas de crâne. Eh, pourtant, je suis pas pour des trucs comme ça, moi. Ah, t'as un crâne, il a un crâne, je l'ai niqué. simple, t'as vu, regarde, on va arrêter de rigoler, tout ça, t'as vu. Soit tu me dis des informations, dont vas-y. J'ai la réponse, donc autant voir que t'es quelqu'un qui tient ta parole. Soit tu continues à me mentir droit dans les yeux et t'as vu ta tête, elle va se retrouver au sol avec une grande balle entre les deux yeux. Eh, Makila. Passe, t'as vu. C'est pas Makila qui pense, Raiden. C'est pour commencer. C'est le King, parle bien au King. Eh, le King. Parle bien, Skittles, je vais t'enculer. Mais yo, t'es le King R. Moi, parlez, Skittles. Pardon. Moi, poteau, comme j'ai dit. Depuis hier, tout ça, ces histoires de crâne, etc. Je sais qu'hier encore, on en avait deux. Est-ce que ça te fait mal au crâne? Après, il y a des complications. On a perdu un manamu. Il y a 4 manamus qui sont fait choper par les GS9.
Moi, ouais, je m'en souviens, c'est ça. Donc, poteau, depuis hier 22h, je peux rentrer au quartier. D'accord. Là, aujourd'hui, je suis sorti de l'hôpital. Je me suis fait interroger. J'ai appelé Skittles pour qu'il me cherche ce fils de pute. Il m'a tendu un piège, c'est comme ça. Trop bon, trop con, je voulais mettre les choses au clair avec lui. Vas-y, vas-y. Mais avec vos versions là, vous commencez à me faire péter mon crâne, yo. C'est poteau, j'ai pas parlé à mon quartier depuis hier 23h. Ça veut dire 24h, poteau. Tu me dis que t'as pas d'informations, quoi que ce soit. Moi, d'un autre côté, on me dit que toi et tes gars, vous avez des informations. Et tu moi, sors, je te dis que les ai pas poteau. Vas-y, Raiden, arrête de le croire. Arrête de le croire. Deux crânes. Là, moi je sais de source sûre qu'il n'y a qu'un seul crâne, donc arrête de me prendre pour un con. Arrête de le croire, c'est un crâneur, lui. Tu vas me rendre fou, t'as vu. Donc passe moi, à table avant dis, que moi tu. C'est quoi le numéro de ton grand? C'est quoi le numéro de ton grand là? C'est quoi le numéro 212. Ok. Poto, ça fait 24 heures, je peux entrer dans mon quartier, j'en sais rien. Vous en avez un? Je n'en sais rien. Moi je te le dis, maintenant tu sais. Attends, mais regarde. Non, je sais, mais si tu me le dis. Non, mais vas-y, on va le cramer lui, on va le cramer. Vas-y, braque-le en deux spies. C'est qui la meuf là? Vas-y. C'est sa meuf? Shy, Sky. C'est son couple. Mais par contre, les gars, c'est lui mon cousin. Le tuez pas, s'il vous plaît. C'est mon cousin. Okay, ouais, je m'en bats les couilles, t'as vu. Non, s'il te plaît, le King, arrête de parler en fac, s'il te plaît, man. Il a décidé. Eh, hey, vas-y. Attends, okay. 112, okay. Il répond pas, non. Ou quoi. T'arrêtes pas, s'il te plaît. Non, non, attends, Raiden, Raiden Makila, laissez juste moi vous dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez, non, mais il y a 7000 langues, parlez une autre. Viens dans le coin là, viens dans le coin là. Avance. Attendez. Cousin, t'as vu, tu peux pas. Comme quand c'est moi, t'as vu, quand c'est moi, je m'en bats les couilles, tu rigoles. Quand je me suis décidé, je saute. Non, saute pas, arrête, je saute, arrête. Je saute. Je tiens pas le caleçon, nique ta mère, je rentre de l'autre côté. Aïe. Je tiens pas le caleçon, je t'emmène là-bas, je t'emmène au milieu. Oh putain, mais arrête de m'attraper par le caleçon, putain. Tu pues des fesses. Là, tu t'es dit, c'est grave marrant de dire tu pues des fesses. T'as rigolé. Il y a 7000 langues et t'as décidé de faire une blague de merde. Arrête. Bon, Raiden. Il répond pas. C'est quoi le numéro du deuxième ou je sais pas, il y a un second là-bas, il y a pas que. On est trois dans le quartier, pote, on est trois. Oui, il y a Calzone. Moi, il y a deux gérants, tu vois. Moi, on m'a dit il y a deux gérants, je veux le numéro du deuxième gérant. Ah ben, alors, de base, il y a Cochon, mais il est pas là depuis une semaine. Et l'autre, bah, c'est Chinese. Ça, c'est Medjiz, ça. Ta main, ils enlèvent ta main. Ah, pardon. Et je te tiens en réel. De force. Mon Wayne. Vous allez lâcher. Vas-y, là, t'as vu, vas-y, d'accord. Vas-y, d'accord, t'as aucune information. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait de toi dès maintenant? Tu nous sers à rien. Raiden, écoute-moi, faut que je te dise un truc. Je vais dire un truc. Tu nous sers à rien, là. Pour moi, là, je te vois bien passer 10 étages, tomber au sol, calé. J'ai très bien cuisiné déjà. Tu veux que je le mine? Arrête, range cette pioche, Steve. Écoute, moi, t'as vu. Range cette pioche, Steve, ce fils de pute. Mais maintenant, c'est un truc. C'est un truc qui pourrait peut-être renverser les choses. Poulet. N'est-ce pas Gaethje? Tu sais quoi? Vas-y, c'est bien, tu me teases, c'est quoi? Voilà, suite dans le prochain épisode, vas-y parle, Maïji. Vas-y, il a mis une pub dans sa conversation, c'est une dinguerie, vas-y parle. Écoute. Il cherche moi, quoi dire vu, là? Je vais pas passer. Je le connais, man, c'est mon cousin. Raiden, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai un plan de baiser. Ils vont nous servir à rien, yo, c'est Théma, Frère, regarde parle, sa tête. Parle, Wayne, là, parle. Poto, je sors de l'hôpital, j'ai pas dormi. Je me suis fait interroger ce matin. Ça veut dire que Poto, là, on flash, je vais péter un câble. Là, si ton crâne est en train de me monter, au crâne. Makila, écoute-moi, pitié. Dès le début, il fallait réfléchir dès le début, à partir du moment où tu nous mens dans les yeux et qu'on a déjà la réponse. Tu vois, on a déjà la réponse et le mec, il a quand même essayé de donner une mauvaise réponse. Yo les man, tranquille. Ouais, ça va. Tranquille, ouais, tranquille. T'as trouvé une feinte ici? Ici? Ouais. C'est endroit de rendez-vous. C'est qui ta grosse veste là? C'est Slim? Ouais. Wouah, la déguette. Pas bien ou quoi? Ah non, franchement, pas ouf, hein. Normal, je suis pas dans le style, moi. Makila, faut absolument que tu m'écoutes, c'est hyper urgent. Là, maintenant, c'est qui le deuxième là qui gère avec toi? Pas le problème, poto, tu veux que je te dise quoi? Raiden, faut que tu m'écoutes, absolument. C'est hyper urgent de baiser. Attends, j'attends que Makila y raccroche. Vous allez me dire votre avis. Tu sais que t'es beau, le King. C'est qui le deuxième mec avec toi? Bon, ça, je suis beau. Non, t'es t'as un vrai outfit. Tu fais peur, genre, t'as vu? Enculé, Skittles, vas-y. C'est quoi ton bail? Ok, je t'explique. Deux solutions. Vas-y. Je te propose deux plans, tu me dis ce que tu penses. Ou après, tu peux en inventer un troisième si tu veux. Premier plan. Et les Ottomans, ils sont d'accord avec moi. Là, on dit, vous faites genre, vous négociez avec Chinese, vous lui dites, ouais, donnez-nous un crâne. Ils le donneront jamais. Du coup, ils vont finir par dire, comme hier au J-Stein, ils vont dire, ouais, vas-y, bah, fumez mes gars, je m'en bats les couilles. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ok, vas-y, on fume tes gars. Et genre,
on... Comment dire, on dit à Wayne, on les garde en otage. On dit à Wayne d'appeler Chinese et de faire genre le mec qui vient de se faire tabasser. Il dit ouais, vas-y, viens nous chercher ici. On vient de se faire tabasser, c'est bon, ils nous ont relâché. Comme ça, Chinese il vient ici et vous essayez de le braquer. Après, il y aura son équipe de shooters, mais vous essayez de le braquer. Tu vois, ça c'est première option. Et même, on peut rajouter du réalisme en genre faisant une photo de Wayne au sol plein de sang ou je la mets sur Twitter et tout. Comme ça, eux ils sont sûrs que c'est vrai, tu vois. Ça, ouais. Ce plan, il peut marcher. Plan 2, hyper risqué, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je prends la tenue de Wayne, je m'habille comme lui, je vais vite fait chez un coiffeur, il me fait la même coupe. On ramène Rita, on l'habille comme la meuf et tout. Si elle est pas là, c'est pas grave, moi, je me fais passer pour Wayne. Je dis à Wayne d'appeler Chinese, donc dire Wayne, ils m'ont tabassé, viens me chercher. Moi, je me mets au sol, par terre, je fais genre le mec inconscient et tout. Ils vont venir me chercher, ils vont penser que je suis Wayne, ils vont mettre dans leur voiture. Ils vont pour m'emmener à l'hôpital comme si j'étais inconscient. Et moi, bam, je suis dans la voiture, je mets un gun sous la nuque de Chinese et bam. Et là, j'ai chopé Chinese. En vrai, ça peut être une idée. Et ça même... peut être une idée, mais vas-y. C'est risqué de pas, fou. Ça va te tiebra, ça va dire, mais non, c'est pas lui, bam, ça va te tiebra, ça va vouloir m'appeler, ça va me dire, ouais, vrai, échange ton gars contre ton crâne. Ouais, mais après, ce qui peut fonctionner, c'est que vous gardez les otages pendant tout ce temps-là. Moi, il me chope. Ça, on n'a pas le droit. Et on a appelé Dante, là. Il nous a dit, il y a une seule règle. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, yo. Dante, c'est qui? Ah, mais t'as capté. Yo, mais si on chope. C'est lui, c'est son ouais, truc. Ouais, mais Dante, est-ce qu'il est là? Il a une caméra? Non, moi, je vais te dire un bail. Ah, moi, t'as vu, j'aime pas. T'as vu? Enfin, le crâne. Moi, les délires de un peu pour contre un crâne, t'as vu, je te dis la vérité. Tous mes G's, ils le savent, je leur ai dit. Moi, si y a un Kemé, il tient un de mes gars pour le crâne, je m'en bats les couilles, t'as vu. Bah ouais. Le crâne, c'est 500 000, le type. C'est, ah bah oui, c'est rien, normal. Il me rapporte pas 500 000. T'as non, mais là, dis-toi que si on fait derrière, le premier plan. Le courant, c'est mort, t'as vu. Si on fait le premier plan là, où le Chinese il va venir pour sauver ses gars parce qu'ils se sont fait tabasser, il va venir, on chope Chinese, en soi, on a chopé un grand. Comme si on l'avait chopé dans la rue, tu vois. Et Dante, il le saura jamais. C'est un grand. Et c'est bien un grand. Ouais, Chinese, c'est celui qui gère le quartier. Mais lui là, Wayne là, je sais pas quoi ton cousin. On sait pas. C'est un migrant. C'est un migrant, ouais, c'est vraiment. C'est un migrant. C'est un immigré. Ah ouais. C'est un migrant. Non, mais en vrai, ce que je me dis, c'est que en soi, même, en fait, Dante, il aura jamais les preuves. Ça veut dire, nous, si on dit, ouais, on a chopé Chinese dans la rue, et Chinese, il dit, non, ils m'ont chopé en faisant un plan où ils avaient chopé des petits à moi et je suis venu, et ben, forcément, il va essayer de dire à Dante qu'il s'est pas fait baiser. Et Dante, il saura pas qui croire. Et souvent, il va jamais croire le perdant, tu vois, parce que le perdant, il a la rage. Moi, le truc, le bail, je vous dis, je le crois pas, son délire de ça fait 24 heures, je suis pas là, nanana. Si c'est vrai, c'est obligé, il a une idée. Eh, si c'est un, comme il le dit, c'est une des deux têtes de son quartier. C'est-à-dire, il a un minimum d'informations. Non, en gros, je t'explique ce qui s'est passé hier, c'est que lui, il s'est fait choper. Il a fini à l'hôpital. Tout à l'heure, moi, je me suis réveillé à l'hôpital parce que je me suis fait drive-by. Il s'est réveillé. Je t'ai posé au bout. Ouais, bah voilà, je me suis réveillé, il était dans le lit d'à côté. Donc déjà c'est sûr il est pas revenu à son quartier. Après lui il s'est fait choper par les flics à la sortie de l'hôpital. Il est allé en interrogatoire donc c'est sûr il a jamais vu son quartier. Et hier soir quand je l'ai appelé, et ben en fait là les Rollins ils sont en train de s'embrouiller entre eux. Parce que genre Chinese hier il a pas voulu sauver certains gars, tu vois. Du coup il y a un gars de chez eux qui est mort. Du coup les Wayne et tout ils reprochent à Chinese. Sur ça les G's. Justement Wayne et tout ils sont en mode c'est qui, Colton? Ils sont en mode ouais notre OG nous a trahi et tout, tu vois. Justement ils doivent avoir le démon de leur OG. Ouais ils ont le démon de leur OG, mais c'est pour ça. Bon, autant jouer sur ça, autant jouer la carte sensible. En leur promettant que vas-y, si nous le ramènent, on les mettra bien à l'avenir, t'as vu. Au pire, moi je te propose un truc. Vu que Wayne c'est mon cuz, on lui dit, vas-y, t'inquiète, on t'offre une place si elle est ouverte, et tu quittes les Rollins. Et tu trahis Chinese pour le crâne, et on te donne genre 10% de l'argent du crâne. Vas-y, tu sais quoi, attends. Tu vas vraiment faire ça? J'ai pas de race. Ça peut être une idée de fou. Viens, Maquille, vite fait. Yo, Wayne, là, je t'ai proposé. T'inquiète, grâce à moi, tu vas avoir un transfert de fou là. C'est le mercato. Regarde, t'as vu? Ouais. Ton OG là, il t'a abandonné comme une petite merde, non? Tu t'es fait shoot à cause de ton OG, même pas, il a voulu protéger toi et tes G's, non? C'est vraiment une petite salope ton OG, non? Ouais. Écoute, t'as vu? Moi je te propose un bail. T'as vu, je te propose un bail. T'as l'air d'être un mec, je sais pas, t'as l'air de bien vouloir tenir un set ou quoi que ce soit. T'as l'air d'être un mec avec la tête sur les épaules, t'as capté? T'as l'air bon toi, t'as l'air bon, vif, tout ce qu'il faut. Bon, ce que je te propose, c'est que t'as vu, tu me ramènes ton petit OG, je m'occupe de ton OG, t'as vu. Même pas ils sauront que c'est toi ou quoi que ce soit. Tous tes G's, ils le sauront pas. Tu me ramènes ton OG, je m'occupe de lui, je lui mets 2-3 claques, je l'envoie dans un bon sommeil, t'as vu.
tu récupères ton quartier, normal, pas de galère, t'as vu. Parce que t'as vu les Rollins, à un moment donné, faut se réveiller les gars, t'as vu, faut se réveiller. Je pense que toi tu peux les réveiller. Non comment mais le problème Raiden, c'est que ça peut être un problème parce que lui c'est le seul qui va contre la volonté de son OG parce qu'il est pas d'accord avec lui. Donc moi ce que je me disais, personne ne saura que c'est lui, tu crois que je vais te balance ou quoi? Moi ce que je me disais, Wayne, tu sais ce qu'on peut faire? Moi j'ai une bête idée, yo Raiden, tu me dis si tu valides. Là on, grâce à lui, Wayne, il trahit son gang, grâce à lui on chope Chinese et en échange nous, toi et ta meuf, on vous fait passer pour mort. Vous changez votre coupe de cheveux, je sais pas, vous essayez de vous faire discret. Et yo, vous habitez dans notre quartier. Et vous rejoignez notre set. Vous devenez des hoovers. Comme ça, vous aurez un vrai set, tu vois, un gang. Yo, qui sera solide sur ses appuis avec un vrai king qui parle en fact. Et... Je vais t'enculer. Là, t'as vu. Non, pardon. Tout ça, on rentre au hood, je vais t'enculer. Yo, t'imagines, Wayne, si tu traînes avec nous, tu traînes avec Issa, tu traînes avec tout le monde, yo, ça va être trop lourd. Et comme ça, au moins... Et eh ben nous, on récupère le crâne et nous, ce qu'on te propose, c'est qu'on te donne, 20% de la somme qu'on gagne. Comme ça, au moins au 7, t'auras de l'argent de côté, tu vois. Et au moins, tu feras partie des hoovers et t'auras un petit pécule de côté pour faire ta vie de ton côté avec ta meuf. Comme ça, vous aurez de l'argent. Et qui me dit que tu me baisses pas, poteau? Bah, je suis ton cousin, pourquoi je te baiserais? Pourquoi je te proposerais ça? Nous, si on se fait de l'argent dans l'histoire, moi, je te baiserais jamais, man. Reste à côté, moi qui la viens dessus. Moi, je te baiserais jamais, man. Moi, t'es mon cousin. Si tu peux être en hoover, c'est encore mieux. Il y a des versions cousins, c'est pas clair, je sais pas. Yo man, les Rollins c'est dépassé, tu vois bien, mais man, le mouvement EBK des Crips là, il marche pas, man. Vous êtes les Rollins, t'as vu les GS9 qui suivent le mouvement des Wu? Ils sont puissants, man, parce qu'ils sont alliés avec des Bloods, ils ont fait les traîtres, ils sont alliés avec vos pires ennemis. Dis-toi que toi, si tu rejoins les Hoover, man, tu seras dans un vrai set, man. Avec un vrai king, avec un, tu vois, des mecs qui sont solides, yo. Et tu seras avec ton cousin. Et vas-y, après, je peux comprendre que... Et au moins, tu pourras régler une bonne fois pour toute l'histoire de ton frère, tu vois. Ça veut dire que tu pourras parler avec les mecs qui ont fait ça et leur dire... Et savoir la vérité, tu vois. Après, je comprends que t'es une rancœur contre nous parce qu'il y a eu l'histoire de ton frère. Mais faut en vouloir à Draco. Mais c'est Draco qui a fait ça. Mais Draco, il est plus là, man. Draco, il est plus dans le gadget. Poto, t'es en train de rentrer dans ma tête, là. Je rentre pas dans ta tête, yo. Arrête-toi, poto. Et je vois clair dans ton jeu. Je vois clair dans ton jeu. Et je fais quoi, moi? Pour AD, pour Blax, pour Tyson, pour Kaizen, mais man, frères, mais quoi, moi. Eux, tu penses qu'ils sont en train de réfléchir à toi, là? Quand votre OG, il vous la met à l'envers et qu'il y a des mecs qui meurent sous vos yeux à cause de votre OG, tu crois, eux, ils essayent de se révolter contre lui? Non, man, parce que c'est des suiveurs, parce que c'est pas des vrais G's. Toi, t'es un vrai G's, man, t'as de l'ambition, tu veux devenir chef de set. Tu vois? Et toi et moi, je compte bien être OG un jour, man. Ça veut dire que si toi et moi, on continue à grandir, man, si t'es dans les hoovers, man, on peut aller loin, nous deux. Tu vois ce que je veux dire? Man, tous les mecs des Rollins, ils vont se faire continuer de se faire marcher dessus par Chinese, ils vont se faire choper pour le crâne et ils vont se faire buter exactement comme hier, il s'est fait buter, votre grand, là. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec de Brooklyn du Sud, là. Vous allez tous mourir petit à petit parce que Chinese, il gère mal. Et Colton, il gère mal. Alors que, man, si tu te la donnes... T'auras un vrai OG ici au quartier des Hoover, tu seras bien, on a de la trésorerie, on a tout ce qu'il faut, tu vois. Et je peux comprendre que t'as envie de faire ta vengeance contre Draco, mais Draco, man, il a trahi le quartier, il est parti. Draco, c'est fini. Il s'est barré, yo. Tu vois? Moi, man, je pense que c'est le truc qui peut sauver ta vie. Et en plus, si on propose de donner 20% de la somme totale du crâne, 20% de 500 000 dollars, ça veut dire que t'auras déjà plein d'argent de côté. Et tu pourras aller faire un peu ta vie avec ta meuf, tu vois. 20% c'est 100 000, man. T'as de la chance, toi, là. Donc toi, Wayne, t'as de la chance, on va même pas te frapper, on va pas te tabasser, on va juste appeler ton gars. On va se faire un petit rendez-vous ici, t'as vu, on va discuter comme des hommes. Parce que t'as vu, je sais pas, ton OG, je sais pas, il fait des bails bressons, des bails chelous. On va bien mettre les ponts sur les i, les barres sur les t, t'as capté? Sois bien content qu'on te tabasse pas ta bon. T'as capté? Mais attends, non, pourquoi? Mais il a menti, vas-y, viens sur le rebord. Non, viens. Non, le tue pas, viens. Le tue pas. Viens, viens, viens. Tu fais quoi, Makila? Mais yo, on est en train de trouver une solution, man. Non, mais il a menti, c'est fini. Mais je sais qu'il a menti, man, mais c'est normal, il a menti. Bref, vas-y, avance. Mais man, Avance. Makila, moi, si je me fais choper, jamais je dirais que t'as un crâne, c'est normal. Je rigole, petite blague, les gars. Yo, j'ai stressé, fils de pute de King. Putain. Il y a 7 000 ans. Lève-toi, petit, je rigole.
Vas-y, bref, t'as vu, on va pas te péter pour essayer de ramener, pour échanger un crâne. On s'en bat les couilles, on va choper la tête. Nous. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que moi, de ce que j'ai compris, Blax, t'as vu, c'est un G. Parce que moi, on m'a dit les crânes, t'as vu, il y a que les têtes de Tjekker qui l'ont. Mais Blax, si Blax, il l'a. Parce que moi, on m'a parlé d'un certain Blax. C'est qui Blax? C'est moi, ça? Non, on m'a parlé. Ta mère. Blax. Les couilles. Colton et Chinese. Enfin, Chinese, il m'a dit Blax et Colton. Tu vois, si Chinese, il l'a. Okay. Mais Colton, de ce que j'ai compris, il est pas là. Hein, crâne. Ça, vous m'avez confirmé. Mais du coup, le deuxième, c'est Blax. On est d'accord actuellement qui gère ton set alors. J'en sais rien, poto, je pense pas. Et moi, j'aimerais bien te dire les choses. Oh la dinguerie. Non, mais t'inquiète, moi j'essaie juste d'y voir plus clair, tu vois. Genre. Moi, j'y vois pas clair déjà. Même moi, j'y vois pas clair. Pas te mentir. Ou de Makila, yo. Tu as juste ramassé des coups de Geno, mais bon, vas-y, t'inquiète, on va pas te. Makila, t'as pas entendu ce que je lui disais? Ouais. Ouais, dis-moi. Yo, man, tu vois, lui, c'est mon cousin. C'est mon cousin, c'est le cousin de Draco. Et tu vois, lui, yo, je te jure, man, c'est le seul mec qui ose tenir tête à Chinese parce que Chinese, man, il fait n'importe quoi du checks. Ouais, et... t'inquiète. C'est quoi son blaze? C'est Wayne. Vas-y Wayne, force, de toute façon t'inquiète, Yair, mon pote. Mais man, moi ce que je te dis, c'est qu'il peut rejoindre notre quartier, venir habiter dans notre set s'il trahit son OG. Ouais, bien sûr, t'inquiète. Ça marche comme ça, poto. T'es la prochaine fois. Les gangs, ça marche comme ça, poto. Mais oui, yo. T'inquiète, Skittles, t'inquiète pas, bientôt. C'est un transfert. Ton revenir. C'est bon. Mais yo, mais man, allô. S'il trahit son OG, on récupère le crâne. On se fait grave de l'oseille. Et on a un G's en plus, un G's solide. C'est une bonne idée, franchement, je la note. T'as vu, attends, je la note carrément. Mais comment ça? T'es en train de te foutre de ma gueule, ton gros bonnet en poterie, là. Comment tu parles à l'OG? Pardon. Je t'allume. Pardon, Raiden. Aïe. Refais encore une seule fois, tu reparles comme ça. Pardon, juste pardon. Avec ta grosse gueule, je te balaye ta tente. T'as compris ou pas? Draco, pas Draco. Je suis désolé, le big, pardon. J'suis merde, hein. Ferme ta gueule. Pardon, vas-y, baisse les yeux, casse-toi. Yo. Essuie pas. Essuie pas le crachat, je les garde jusqu'à la fin. Il est sur mes lunettes, franchement, je vois que d'un œil. C'est chiant. Bah, les couilles. Yo, c'est des lunettes parlement de gel, hein, ça coûte cher en plus, vous êtes des ouf, vous. Putain. Mais yo, mais tu veux faire quoi si on fait un rendez-vous ici, on récupérera jamais le crâne et ils vont. Et imagine, ils tirent. T'as vu, moi je suis un mec, je suis comme un. Je vais pas ramener un petit peu pour un bail qui vaut 500 000 parce que de moi-même, je vais pas. Vas-y. S'il y a un petit qui a 500 000 ou je sais pas quoi en face de 500 000, je le tue, je le canne, t'as vu, je le canne, j'en ai pas besoin. Je préfère 500 000 à un de mes petits, je te le dis. Mais. Donc, on va pas échanger. Imagine, ils viennent et ils ont des plus grosses armes, ils tirent, ils vous couchent, ils volent le crâne à Makila. Ça arrivera pas, t'inquiète pas. Y'a pas de truc comme ça chez nous, t'inquiète pas. J'ai confiance en ma shooter team, t'as vu. Qu'est-ce que tu veux, quoi, toi? Non, je voulais juste le voir en vrai. Pardon. Trop stylé. Et en parlant de shooter team, tu nous as mis la tenue, boy. Hein. Qui, moi? Non, lui là, lui Rollin. Yo, il a un tech fleece grave et ça fait 3 mois il l'a, il schmoute. Ferme ta gueule. Comment tu parles? Mets-lui une patate. Quoi, Obi? Mets-lui une patate, t'entends donc. C'est la famille. Tu te fous de ma gueule? Mets-lui une patate, la cousin, là. J'espère que tu te fous de ma gueule, il y a 100 000 dollars, il y a tout dedans. Oh, je vais te baiser. Si c'est réel, hein, si c'est réel, Obi, je vais te. Voir si y a un agent IMO, je me co-cache. Côtoie. Fais démonter le genou, on va voir. Yo! Objectivement, Slim, ta tenue, il y a rien qui va. C'est normal, c'est fait exprès. Franchement, c'est chaud. Mais tranquille. Je suis pas dans le style. Ah ouais, t'es pas dans le style. Si tu veux, je t'apprendrai, man. Moi, t'as vu, j'ai un bête de flow. Get le flow. Tu connais? C'est L2B Gang. Je me fais trop chier, on peut pas m'inclure dans les conversations. Hein. J'avoue, c'est des bâtards. Je pense qu'ils te parlent pas parce que t'as un piercing au nombril. C'est pour ça. C'est interdit par la loi, ça, c'est illégal, t'as vu? Il est stylé, mon piercing. Non, franchement, il est pas du tout stylé. Franchement, c'est de mauvais goût de baiser. T'as le logo PayPal sur ton t-shirt, frérot. Ouais, c'est vrai que je me demandais pourquoi j'avais le logo PayPal. Yo, quoi? Je suis grave rejeté depuis tout à l'heure, là, je. T'as construit une maison une heure et là elle est en train de brûler. Wouah. Salut la voiture ou pas? Vas-y, c'est bon, t'as vu flemme. Vous voulez faire quoi? Faites le taf. T'inquiète, on va rien faire. Non, mais c'est trop nul.
Mais là, actuellement, ça sert à rien. Le mec, il est occupé, leur tête de quartier. Et on va pas le garder 10 piges non plus. C'est un menteur, vas-y. Mettez-le bien, mettez-vous bien dessus, je vous attends en bas. Attendez, attendez, je négocie moi-même. Je vais te balayer. Arrête de négocier, arrête de faire des bails comme ça. Mais appelle Chinese. Bref. Attendez, les gars, penalty. Écoute, t'as vu d'habitude. Allo. Ouais, mon fan. T'as de la chance, toi, en fait. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je suis en train de. Là, je suis en train de rigoler, ma gueule. T'es folle ou quoi? T'es en train de quoi? Je vois ta Porsche là, hop, je viens de la regarder là. C'est ah ouais? Mais pourquoi tu viens pas au rendez-vous? Viens! Y'a Wayne et sa meuf. Ouais. On me demande pas de venir, street. On m'a pas demandé de venir. C'est la street. Bah viens! Et c'est réglé, bah pourquoi je viendrai? Dis-moi. Bah viens, il voulait faire un rendez-vous. Pourquoi tu veux pas venir? Pas de rendez-vous! Mais pourquoi tu manges? Ça fait 10 minutes que je suis au téléphone avec Makila. Avec ma cassine, je veux dire. T'es une lobe ça. T'es une lobe ça, t'as vu Makila, il t'a dit viens au rendez-vous, t'es pas venu comme une lobe ça. Ah non, c'est parce qu'il veut récupérer les crânes et que c'est pas la manière de les récupérer. Bah non, mais il veut pas récupérer les crânes, justement. Il t'a dit, il veut pas, là, il veut juste parler. Lopsa, Chinese, là, Lopsa. Ça fait 15 minutes qu'on est au téléphone, donc. Et pourquoi tu tournes autour de notre quartier alors? On va aller. Bah rien, là, en zone, ma gueule, en zone. Ton quartier, je m'en bats les couilles, vraiment. T'as deux mecs à moi, pourquoi je fais récupérer. Vas-y, vas-y. Mettez-vous dans une gove, on va vous mettre bien. Vous avez, c'est bon, vous êtes rempli ou pas? Faites gaffe, hein. Allez, les relais, ils tournent autour du quartier. Tiens, les Rollins ils sont autour du quartier donc faites gaffe. Ah ouais, d'ailleurs faut que je te dise un truc après. Ah les... ouais, mais yo, vas-y, démerdez-vous, y'a plus votre oracle. Hein. C'est ton cousin Skittles. Attends, on y va là. Tu, Skittles, monte avec nous, y'a une place. Vas-y, là, vas-y, roll, il faut que je te dise un truc. Vas-y, attends, y'a une place où dans la Felon? Ouais, change de mec, toi, t'as vu, change de mec. T'as vu, ouais, change de mec. Il sait rien faire de sa vie là. Ah, tu vas pas pouvoir démarrer. Ah. Je vais te retrouver. Bouffon. C'est par où la sortie? À droite. Pourquoi j'ai entendu crier? Il a dit quoi? Ah, c'était mais bien. Mais dis-toi, il est devant moi dans le jeu, je l'entends pas crier, je l'entends crier dans la vraie vie. Ouais, vas-y. What? On va où là? C'était le dernier ou c'est chez nous? 7. Ils veulent chercher des straps là. Chez... Ouais, bah je crois le dernier. Je sais pas, il est devant. Mais ouais, droite. Ah, les mecs, on est à 19 sur 50. C'est bi. Vas-y, avance droit là. Madame est intéressée à stream un jour. Pourquoi? Quoi? La route elle est. Non! Grave. Elle est parsemée dans le. Tu veux stream un jour? Ouais. Y'a que des nids de poules hein. T'as pas envie de streamer? Ouais, moi tu m'en donnais que 3. Elle connaissait même pas Twitch avant de me connaître, les gars. Ouais, j'en avais 3. En vrai, je sais pas. Ouais, je suis sûr. Bah, tout à l'heure avant de partir, tu m'en donnais 3. Ouais, c'est vrai, bah en vrai, c'est même pas jouer aux jeux vidéo, c'est ça. C'est une femme hein. T'as compris dans la boîte à gants. Je rigole, petit lave. Y'en avait que 3 dans la boîte à gants. Je rigole, mon petit lave, j'ai adoré. Il y avait un pistolet de combat et 2 Glock. Voilà. C'est bon, je rigole, en plus c'est moi qui fais la vaisselle. Quoi? C'est vrai qu'il a resté dans la boîte à gants. C'est comme ça que tu me traites, je fais la vaisselle et tu me dis bon toutou. Mais non, il y a rien dans la Felon. Bon allez, au ménage, au ménage. Il y avait 3, j'en ai pris 1, t'en as pris 1. Elle a brûlé entièrement? J'en ai pris 1, il n'y avait pas d'autre dans la boîte à gants. Bah frère, t'as qu'à bien cuisiner. Tout ce que j'avais, je l'aurais donné. T'as qu'à bien cuisiner, j'ai pas bougé. Mais c'est pas moi, j'ai cramé la maison, je joue pas! Tu m'as donné, je suis dans le garage, ils sont arrivés et après je leur ai donné direct. Ça fait 3h, il a fait une maison sur les Sims, c'est pas sa maison, elle a brûlé. What? Oh, mon Sims. Mais vas-y, attends, quoi, mon Sims il a dragué une autre meuf? On se rejoint où là? Wouah! Franchement, c'est pas du tout moi. Vraiment pas. Je suis la reine des putes si je fais ça. Manhattan. Ah là là. Faut des billets de banque et des easy loups. Elle est dans le garage, j'ai fumé qu'on avait le mec. Du coup on l'a posé, on a pris la Felon. On pouvait pas la réparer sur le son. T'es beau et ça. Moi aussi je t'aime bien, Skittles. Eh ouais, moi aussi je t'aime bien. Il faut que... Tu commences à porter tes couilles un peu. Attends mais eux ils cassent les couilles à Neto. C'est qui eux? C'est Kaf. Attends je vais appuyer. Et prends un cours cousin, je crois qu'on va les rattraper. Ça fait 4-5 fois ils passent, ils foutent la haine là. Ouais, ils sont les cumèbres reliqués là. Par contre, Chinese, le OG des Rollins là, il veut absolument me tuer. Hein. Là, il vient de m'appeler et tout, il m'a dit il veut me fumer. Yo, mais vous inquiétez pas, ça va marcher. Tous mes plans fonctionnent. Juste, bon, celui de Wayne tout à l'heure, il a pas trop fonctionné, mais tranquille. Vas-y, attends, j'appelle juste les gars pour leur dire. Mais en vrai, je savais. J'en appelle un. C'est que par contre, j'ai été trop malin, frère. Tu vois, quand vous braquez. Quand il se contre-braquait, j'ai pris sur un mec de chez nous qui braquait, j'ai pris les clés de sa voiture, je suis allé chercher la voiture pour les sauver. Et du coup, demain c'est quoi le plan? Mais ouais, ils sont trop cons. Gary. Hein?
C'est quoi le plan? Attends, ouais. Parce que je vais pas le dire à voix haute là. Y a un mec qui m'écoute là. Tu connais. Putain le bâtard. Oh putain le bâtard. Eh ouais, t'as vu, il prend les infos. Attends, deux secondes, j'arrive. Quoi? Tu me mutes? Mais laissez-moi stream! Putain, on me laisse pas streamer tranquillement. Ok, attendez, je devais faire quoi d'autre? Faut vraiment que j'arrive à faire partir ma mate. Hein. Putain, lui, je vais l'arracher, frère. Plutôt, alors ça. Ça. Comment il s'appelait le nouvel OG là? Putain. Le nouvel OG des 718, il s'appelait. Comment il sait faire ça? Il s'appelait. Frère, comment il s'appelle, wesh? Ouais. Il est où, Birdie? Drive by. Aïe, aïe! C'est quoi la street, espèce d'enfoiré, va? Oh, j'étais dans mon tel, frère. Putain, je vous l'ai dit ou pas? Je les rappelle 15 fois, ces fils de pute. Putain, frère, hey, Dozeru et la notion de revenge, c'est vraiment. Il n'a jamais compris la règle du revenge, c'est terrifiant. Oh putain, il était pute. Wesh, ça fait deux fois, wesh, avec les Marseillais, avec les trucs. Vraiment, la règle des 24 heures pour revenge, il ne la connaît pas. La bécane, elle vient de chute. Arrêtez de marcher, là, putain, de vos tentes, là. Arrêtez de faire les mecs beaux, tout ça. Rentrez dans les goves, là, vas-y. Rentrez dans les goves, arrêtez de faire les mecs beaux. Par contre, je peux pas ranger mon téléphone. Tiens, se font les appels, ces fils de pute. Je peux pas ranger mon tel, c'est pas grave, je vais faire quand je vais me revive. Putain, ce qu'il tel, il tomberait. Oh là là, les fils de pute. Troisième d'affirmation. Putain, en tout cas, par contre, ça commence à être lourd. Ce qui commence à être lourd, c'est qu'avec Skittles, au début, je m'entendais bien avec tout le monde. Là, je commence à avoir grave des ennemis, ça tue sa mère. À gauche. Oh. Oh. Putain. Ton beau pire moment à la vie, saucy, on aurait pu le pécho simple, c'est ton cul des big end. Oh, c'est quoi ça? Oh non, frère, mais c'est quoi ça? De quoi? Je vois rien. Frère, arrête tes bêtises, cousin, y'a. Je me suis pris un mur invisible, cousin. Je me suis pris un cône, le cône il a explosé la chop. Ah, je suis baisé. Attends, mais moi je rigole pas, c'est par rapport au crâne là, comment c'est les bétons des poches là? Oui, attends, je suis appelé dans tes frères. J'ai lu. Ouais, Dante, c'est possible. Tu voulais des problèmes, il me semble. Bah oui, justement, c'était le but. C'était le but. Il nous a rien pris. Non, tant mieux, c'est bien. Le crâne, on l'a plus. C'est normal. Je te mens pas, hein, cousin. T'inquiète. Hein, ouais. Moi. Moi, et après, là, j'ai voulu le prendre de Raiden. Puis, voilà, là, il m'a dit, mais je l'ai pas. Et après, j'ai dit, mais moi, je l'ai pas non plus. Moi, j'ai été touché, mais même, t'as vu, à ce moment-là, Raiden l'a récupéré. Ouais, Raiden l'avait, ouais. Et lui, il l'a plus, cousin. Donc, c'est pas normal. Dans l'hôpital. T'es sûr que tu l'as pas? La vie de la mère, je l'ai pas, t'as vu, je suis pas handicapé. Ouais, putain. T'as pas le numéro d'une meuf? Tiens, bon, Skittles, tiens bon. Une meuf, la meuf qui était avec nous tout à l'heure là. Appelle vite! J'ai pas son numéro. Ah ouais, non, mais vraiment, avec le revenge, ils abusent. Après, bon. Ouais. En soi, c'est. Bah non. Putain, il a pris des balles ou. Je suis sûr, ça. En soi, c'est mérité de fou, mais justement, c'était le but de toute façon. Le but c'est d'avoir des problèmes avec ce perso. Attends, je vais juste. Appelle, comment ça s'appelle, l'autre là. Tiens bon, mec, putain. LV40.
Oh, t'es con. J'ai déjà vu des bails dans des films. Je vais lui retirer le t-shirt. Méchant salaud. Méchant salaud. Connu que sa mère, je prends un scalpel, je tente un bail ou. Il va me tuer ce système. Makila, je tente un bail ou pas? Aïe. Oh putain. Ah, c'est. Ah. Tranquille, Skit. Je vais mourir. Là, t'as un bonhomme. Je vais mourir. Tu vas pas mourir. Calme-toi. 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 Je t'ai dit ça. Aïe, j'avais jamais pris de balle. Aïe, aïe. Et là, t'es un real gangster. Voilà, t'as vu. Attends, je cherchais quoi là? Prends des balles. T'inquiète, Maïji. C'est normal. T'as pris la balle où là? Attends. Aïe, dans les. Aïe, dans le dos. Aïe. Putain. Vas-y. Ah, mais c'est sûr, il y en a au moins 10 des balles là. Aïe, aïe, aïe.